Doc, salut Evelyne. Salut ma canide. Salut tout le monde. Comment ça va? Là, on va mettre la lumière. Oh, des vilons. Salut, c'est moi Daisy. Abonnez-vous à la chaîne de Carthage. Allez lui acheter les modèles multicolores. Attends, c'est pas que je super Daisy Racing. Salut, comment ça va? Ça va les gens? Viens du coup. Bah c'est pas grave, c'est pour lui parler, du coup, je vais parler pour ma... Moi je vais parler, quoi. C'est pas un live en indécent, c'est un live des sons, c'est des cuisines. Stop making love to my dad. Super dans les dossiers, ouais, c'est pas de Daisy. C'est compliqué, il va prendre ce nom, il va être cool, ouais, 3 semaines cool, je vais vous juger. Allez, vous avez mis plus fort que ta voix, comment ça? Script demain, les gars, script. J'ai mis demain script de, le script sur l'hôtel, c'est genre fini. Alors ça fait 3 ans. Venez samedi sur la scène d'arcade pour regarder le dernier épisode de script sur Undertale. Waouh, c'est l'événement de l'année. C'est le putain de l'année. Ça va peut-être passer sur le rapide de mission en France l'année prochaine. C'est comme ça qu'on sait que on a réussi. Regarde, gobe le micro. Gobe le. J'ai déjà assez gobé de choses aujourd'hui. Comme des grosses bites. Comme des putain de gros chibrax, putain. Des bites. Garde un œil sur le chat quand même. Même si je sais pas si le micro est assez fort. Est-ce que le micro est assez. Attends, c'est pourquoi il est pas fort. Parce que j'ai enregistré. J'ai enregistré et quand j'enregistre, je mets genre le gars à 20 parce qu'en fait, je crie fort. Mais vous inquiétez pas, je vais augmenter le gain sur Audacity, ça va aller très bien. C'est mieux, non? Ça va un peu? Non. Personne y grèce. Merci Flo d'être le l'ingé son. Et tout le reste. Regardez. Regardez, c'est bas. C'est moi, c'est bas. Bas. C'est bat. C'est bas. Bas, 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 bas. C'est bat, c'est bas. Bat, c'est bas. Bat, c'est bas. Bat, c'est bat. 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 C'est bat. C'est bat. Ok. Tu aimes Disney, toi? C'est Disney? C'était Disney, ce que je veux. Non, c'était les trucs de Wacko. C'était la Warner. Mais non, c'est pas Disney. Il est con. C'est la Warner, c'est Wacko, c'est les cartes du monde là. Mais c'était peut-être pas du tout lié, peut-être que je lui demandais juste si elle est ma liste. Ok, d'accord. Ça sans rien à voir, pourquoi est-ce que toi tu veux être gros cerf-volant, toi? Mais non, c'est juste que. Non, salut Ferris! T'as voulu montrer ta culture. Salut Demiurge! Salut! Vous avez vu la commande que j'ai fait pour Demiurge? J'en suis très contente. Bravo à Demiurge. Merci! Racing! Je sais pas si tu as. Regardez ce que j'ai fait. Je sais pas si tu as vu, j'ai dessiné la bonne table que je t'ai pris. Et celui de Gilles. Oui, j'ai vu celui que tu as pris, mais j'ai pas vu celui de Gilles. Owo. Mais regardez le design que j'ai fait. Elle est cool, non? Neko, elle a utilisé Owo. J'ai dit. Elle est trop cool. J'ai dit que c'était une pastèque. Merci. J'ai dit que c'était une pastèque. J'ai dit que c'était une pastèque. Slow a dit que c'était un fruit du dragon. Et Arcade a dit que c'était une tomate. Moi, je suis team tomate. C'est parce que c'est meilleur, les tomates. Elle est beaucoup trop cool. Ah, il faut que je dise. Mais elle est trop mimi, mais oui, c'est un fruit du dragon de ouf. Ah, voilà. Slow à battre dans sa team, du coup. Vraiment, l'idée des commandes de jeux de combat sur la jupe, c'est l'idée des murs, du coup. Génie, hein. Parce que moi, je voulais mettre du texte, tu vois, mais je savais pas quoi foutre. Il disait, bah, mettre des oba oba carré carré rond, et je suis en oh, ouais, quelle bonne idée. Vous mettre le fameux Konami Code, vous le saviez-vous, dans les jeux Konami, vous pouvez faire oh. C'est quoi déjà? Je sais pas, je sais pas. C'est oba oba, droite gauche, et start select, non, je sais plus. Et ça fait quoi? Je sais pas, sur Gradius, t'avais. Regardez, on dessine des OC. On dessine mon océan. Regardez, on dessine. Vous savez c'est qui? Serpent, est-ce qu'il y a des, est-ce qu'il y a des vrais qui savent qui c'est? Les vrais fans de cartes, les cartes Zouz. Les cartes Zouz. Vous êtes les vrais cartes Zouz. Il est sympa. Ouais. Miss me. Neko a dit si j'utilise pas le Owo, je suis pas un vrai Fury. Espèce de merde. Je rigole. C'est dit. Oui, je le connais.
Ah, Flo a dit. Si je n'utilise pas le O, je ne suis pas un véritable pédophile. Au bas, T'as dit quoi? C'est un peu. Rien, rien. Flo a fait une blague et j'ai cru que c'était le vrai truc. Genre, Flo a dit, vous pouvez faire au bas, le marsupilami. Putain, c'est incroyable. J'ai oublié son nom, mais j'ai plus son nom. Ah, mais je le connaissais quand même. Je retiens jamais les noms. Il s'appelle Kigyo. Tu sais pourquoi il s'appelle Kigyo? Non. Parce que j'ai tapé serpent sur Google Trad, j'ai mis toutes les langues du monde et serpent hongrois c'était Kigyo, un truc comme ça, et du coup je l'appelais. Et il est hongrois? Sûrement. Sûrement. Je sais pas, je prends en fait ce que je fais. Il y a une probabilité non nulle. Je prends toujours des langues au pif et puis je vois si le nom est cool et ça marche. Il y a Sangui qui m'a dit que cela aurait été génial si c'était des vraies commandes de jeux de combat. Moi je dis rien, je m'en fiche. C'est déjà bien quand même. J'ai fait au pif, mais si vous voulez, quand si tu la recommandes, t'as qu'à demander des commandes. T'as qu'à faire un jeu dans lequel c'est des vraies commandes. Ce serait drôle, genre lundi, c'est sur la jupe du perso. Exactement. Moi, j'ai genre 50 OC dont je me rappelle. Donc, me rappelle. Quoi? Vous me rappelez ceux des gens, je pleure. J'aime beaucoup sa tête. Regardez, ah oui, donc attends, t'es en mode, c'est montrer... trop dur de se rappeler de se rappeler de ceux des gens. Bah, je sais pas, peut-être. Il y avait cette tête-là avant. Intéresse-toi à autre chose qu'à toi-même, que... peut-être, Neko. Et je trouve qu'il y a un glow-up. Très méchant avec oui, elle, t'es très méchant raison. Pour rien. J'ai trouvé un glow-up des cheveux quand même. N'est-ce pas? C'est vrai, il est devenu plus flouf. Ce qui est mieux. Alors qu'avant, il était plus genre en mode. Oh. On aurait dit, tu sais, on dirait le méchant du premier Shrek. En fait. Par quoi? Ouais. Attends. Just me and we Willis. Mais en plus du coup, si tu voulais voir le dessin, je t'ai ping sur Twitter. Ouais, je vais te défoncer la QR code. Tu parles à moi dans la première partie de la non, phrase. Non, première partie c'était pour moi. D'accord. Du coup, il ressemblait à ça. Enfin, il est toujours plus dans la même gueule. Hein. Je l'ai pas vraiment designé, juste changé ses cheveux. Mais au début, il avait les cheveux plus en. Bon, c'est quand même très propre. Mais est-ce qu'il mange des œufs? Sûrement. Comme Johanna. Johanna? Tu vois pas. T'as pas la rêve de Johanna? Non. De. Tu vois Bernard et Bianca? Tu vois Bernard et Bianca? Oui, je vois. Ah, bah, celui en Australie. Dans le 2, il y a un lézard qui fait. On a déjà et parlé qui mange des serpents. Oui, parce que. Qui mange des œufs. Parce que Sloth est un océan par rapport à ça. Ouais. Et du coup, c'est un mec serpent moi, qui se transforme en humain. Et son pote, c'est un mec papillon. Sauf qu'en fait, le mec serpent, il sait pas trop. Il a du mal à gérer, genre pouvoir se transformer full en humain pour passer inaperçu. Le mec papillon, ça va, c'est pas trop difficile pour lui. Mais du coup, il se cache en se déguisant. Et le mec serpent, il a aussi une transformation full serpent. Faudrait que je leur design parce que je trouve Harold dégueulasse, mais avec du recul. Mais il était très propre ses cheveux avant, c'était pas beau. Je préfère vraiment beaucoup ce que j'ai fait sur. Il date. Quoi? Il datait ce dessin. De quoi? Lequel? Celui qui était là il y a une seconde. Non, mais c'est bon, hein. Lui? Ouais. Il date de 2019, je pense. Ah bon? Que j'ai glow up, écoute, en pas longtemps. Bah ouais, écoute. Kigyo hongrois. Ça, c'est, j'ai pas Kigyo mis les. Kigyo hongrois. J'ai pas mis les. Regarde, good night. Salut Kogu, salut Koukoubin. Non, ça date pas tant que ça. Mais quelle vie. Je suis dans une énergie molle, hein. Je pense que je vais grave, pas rester tout le live. Mais t'es pas obligé. Si, je suis. Regarde, c'est lui qui vend Despacito. Mais je vais attacher. C'était meux qui m'a demandé. Despacis. Des saucisses. Il a pas de croc non plus. Il ouais, a, je suis mou là. Là, je suis à. Je veux le protéger, alors. Je suis à pas grand chose. Si j'ai un peu juste envie de me coucher, je dois l'avouer. Mais va te coucher, c'est pas grave. Mais je reste au moins pour dire bonjour à tout le monde un peu. Ok, ok. Voilà, vous pouvez, je pourrais répondre à toutes les questions que Carthaz ne veut pas répondre. Non. Bah, je sais pas, ils ont qu'à trouver. Ok. Si vous voulez savoir des trucs sur Carthaz, il est probable que je le sache. Donc, du coup, je vous le dirai. Allez-y, un peu de dégâts. Après, elle parle quand même beaucoup d'elle sur ses streams, donc vous deviez pas. Oui, vous j'ai pas beaucoup. Pas mal. J'ai pas beaucoup. Elle de a pas beaucoup de secrets. J'ai pas beaucoup de secrets. Ah pas, mais sur le moment où elle a tué un mec. Non, mais arrête, on avait dit ça, non. Ça par contre. Non. À boire. À cause de moi. Même. Ouais, de ouf. Tu me passes de l'eau. Ah non, quelqu'un peut lui passer de l'eau, tu sais. Putain, genre c'est une star. Vite, l'eau. Quelqu'un vite de l'eau. Avant qu'elle devienne un peu cranky. Je suis bilingue. T'es une merde. Combien de C actuel, Carthaz? Regardons sur ma roue. Il y a quelque chose de doux dans le dessin. Par contre, j'ai vu plein de gens se plaindre pour le DLC Mario Kart. J'ai pas encore test, oui, mais ma mère a volé moche. Ma Switch pour jouer MDR à part en gueuler contre les bots, elle aime bien. Bah, moi en fait, je trouve c'est forcé de dire que les courses sont pas bien. On est sur du 166. Et on compte. Oh, merci, Bat. Mais c'est un peu triché parce que là, on compte déjà la case blague où j'ai juste mis Shims. incroyable Et tous mes sonas. Mais si tu tombes sur Shims, tu dois le dessiner. Non, je les relance.
Est-ce qu'il y a une Simca genre gagner 200 balles comme au Monopoly? Alors c'est pas au Monopoly, c'est à la roue de la fortune. Non, Chims, tu vas à la case prison directement. Mais c'est pas un jeu. Bah si. Ok. Pourquoi? Je suis tombé sur cette case, c'est du génie. Oh putain, c'est... ouais, c'est vrai. C'est quoi son groupe sanguin? C'est quoi ton groupe sanguin? C'est pas genre je AB? Sais pas. Non, moi sûr, c'est AB. Ab... Non, c'est ah, moi AB. Aussi. Ah, c'est où? On est ensemble. Merci, mais tout le monde aussi. Bon, bon, je sais sur qui me tourner si un jour j'ai besoin de sang. Oh gang, putain Flo aussi. Ça en fait des O ici. Mais c'est pas grave. O négatif toi aussi. Ouais, moi j'ai O négatif, ouais. Salut, ça va? Salut Jink. On est ensemble. Mais du coup, 166. Salut Jink. Et faut penser à enlever. Enfin, attendez. Jink du coup. Jink, oh, trop bizarre, bref. O, mais je crois négatif. Je peux donner à tout le monde. Oui, c'est ça, au négatif, alors, c'est vraiment... Je crois que tu peux vraiment donner à tout le monde, mais tu peux même pas recevoir 2, des O positifs, 3, je crois. Je crois que c'est nul. Et moi aussi, j'ai 4, ça. 4, 5... Vous aussi, votre daronne, elle vous vole des trucs. L'autre jour, 6, elle a pété 7, mon rein. 8, ah, bah est-ce que ta mère 9, va mieux? Peut-être que c'était consentant, ou... 11... J'ai besoin de ton rein, vite. Ou c'était genre... Tu sais, elle t'a réveillé en pleine nuit. Elle t'a amené dans une espèce de clinique bizarre. Elle t'a dit, j'ai besoin de ton rein pour un truc. Mais t'inquiète, hein. Et ça après, elle est revenue le lendemain OC. Avec 500 balles. Quoi? 152 OC. Si j'enlève le Shims et les Sona. Ça fait, wow. J'ai 13 Sona. 150. Deux. Presque autant que de courses de Mario Kart. Ah bon? Peut-être. Ok. J'ai besoin de ton rein, donne-moi ton rein. Morty. Ma mère... Comme mon lit. Attends, on va prendre ma Switch et mes vieilles consoles quand elle se fait chier. Alors elle vient crier dans les oreilles alors que je dessine. Ah, c'est sympa ça. C'est, oui, c'est mieux ça. Qu'elle prenne ta Switch. Non, mais oui, donc les nouvelles de Mario Kart. Mario ? Elles sont moches. Non, bah... Elles sont moches. Alors, attends. Il est moche, non, tu es moche. Il y a des hauts et des bas. Un peu de recul. Elles ouais. ne sont pas moches. Elles sont moches. Genre, c'est moins laid que. Que Double Dash par exemple. Non. C'est moins laid. Que Arceus. L'Arceus, c'est vous avez une... joué à Pokémon. Moi, si vous avez joué et apprécié Pokémon Arceus, vous n'avez pas le droit de dire que les trucs sont moches. En fait, ce qui est très dur, c'est que c'est vraiment plus moche que Mario Kart 8 de base, qui était un jeu impressionnamment beau dès sa sortie en 2013. 2013. bientôt 10 ans. 10 ans déjà. Sur Wii U. Et je sais plus s'il y a eu une upgrade graphique sur Switch, j'en suis pas sûr. Mais il était déjà, genre, franchement, le jeu était beau, tu vois, parce ouais. qu'il est bien stylisé, parce qu'il est bien optimisé, parce que les effets de lumière sont très beaux, parce que les textures de Mario Kart 8 en soi, elles sont pas incroyables, tu vois. Non, elles sont correctes. Ça va, mais. T'as pas besoin qu'elles soient incroyables, parce que de toute façon, tu bois deux secondes les mais textures. Mais il y a des belles couleurs. Oui. Et elles sont bien faites, elles sont bien polishes. Malgré ça n'empêche que c'est moche parce que même quand tu roules et la lumière à est très belle. Voilà, et genre Mario Kart 8, c'est vraiment pas rare que tu vas très très vite, tu vois, mais tu te dises, ah le jeu est beau, tu vois. Ouais. Genre, ah oui, c'est beau. Là même en allant vite, c'est moche, du coup. Non, ça va. C'est moche. Mais genre, c'est même pas en mode genre, c'est immonde, c'est la pire chose. Non, c'est juste moche, c'est juste pas fini. Moi, je trouve que le jeu est très moche, surtout comparé aux autres courses oui. en fait. Mais, genre, mais qu'en soi, il est pas non plus oui, immonde, si, tu vois. Si tu me sors un jeu comme ça, je vais t'entendre. Ok, c'est un jeu artistique d'être un peu genre le poli, tu vois. Mais là, c'est pas le cas, vu que c'est Mario Kart 8 et que ça n'a pas du tout cette direction-là. C'est vrai qu'on dirait vraiment, genre, c'est vraiment downgrade, quoi. On a ouais. l'impression qu'on a perdu une gen. On est de retour. Alors, on est peut-être pas retour. Je crois que le Wii, on est un peu au-dessus de la Wii, quoi. Ouais, ouais, et encore. Enfin, quand même, on force. Mais après, sinon, les courses. Bon, alors moi, je suppute que. Que bah du coup c'est les deux premières. Est-ce qu'ils suivent un peu le même roster que les jeux classiques? Ça sent un peu le cramé, ça va? Ah oui. C'est moi, j'ai fait cramer la maison. Ah cool. et que genre là c'est des courses assez simples, assez tranquilles. Les circuits sont plutôt cool parce que c'est les deux premières coupes et que peut-être que les deux dernières seront bourrées genre de Château de Bowser ou des trucs comme ça quoi. Waluigi Pinball. Waluigi Pinball par exemple, hein, voilà. Mais les cours, en fait, le truc c'est. Je trouve qu'il n'y a pas. En fait, c'est toujours une baisse de niveau. Genre, il y a un peu de retravail, mais il y a assez peu de retravail sur le tracé des courses et sur leur aspect, on va dire. Il n'y a pas le l'anti-gravitation. Il n'y a aucune anti-gravitation des 4 coupes. Genre, enfin, des 8 courses, pardon. Genre, il n'y en a pas. Oui, il n'y a pas une refonte. Il n'y a pas une refonte de la course, en fait. T'as pas l'impression qu'ils ont pris le tracé et puis qu'ils ont reconstruit quelque chose dessus.
Ils l'ont vraiment juste porté, ce qui était plutôt ce que faisaient les courses rétro avant Mario Kart 8, puisque l'un des gros trucs de Mario Kart 8, qui avait en plus de du gimmick anti-gravité, c'était surtout que, enfin, c'était pas surtout, mais c'était aussi que les courses rétro, elles étaient vraiment très retravaillées. Genre, il y avait certaines courses, elles étaient méconnaissables. Genre, vraiment, tu les reconnais. Genre, le stade Wario, par exemple. Je crois que t'allais dire, elles étaient méconnaissables, vraiment, tu les reconnaissais pas. Genre, oui, c'est le but, oui, c'est méconnaissable. Genre, le stade Wario, par exemple, moi j'ai mis, genre, encore aujourd'hui, parce que, genre, alors que j'ai beaucoup, beaucoup joué, notamment à cette course-là sur DS, parce que je l'aimais beaucoup. Genre, j'ai mis du temps à me dire, ah oui, mais c'est vraiment la même course et tout, mais elle a pas du tout le même feeling, le même. Ouais. Le même truc, donc voilà. Typiquement. Bon, il y en a qui ont pas trop changé, tu vois. Moi, je pensais. En vrai, celles de 3DS ont pas trop changé, tu vois. Ouais. Parce que c'est les plus récentes. Genre, en soi, Koopa Police, elle a pas beaucoup changé. Mais tu prends par exemple Royaume Fromage. J'ai pas joué sur 3DS. Genre, le Pays Fromage. C'est de où? C'est de GBA. Ah oui. Tu vois. Typiquement, vous prenez le travail d'un Pays Fromage. Et le travail du passage nuage, là, je sais plus comment il s'appelle, ouais. Chemin nuage, qui est cool. Franchement, je trouvais que c'est une des meilleures, Chemin nuage, là, des 8. Ouais, parce que c'était. C'est vraiment une des meilleures. Elle est visuellement. Enfin, tu passes de 2D à 3D. Elle est cool, et puis là, il y a un peu de relief, tu vois. Ils ont fait des trucs où tu pars un peu comme ça, machin, etc. Jardin volant, ouais, c'est ça. Jardin volant. Genre, celle-là, elle est plutôt cool, mais je trouve, je sais pas, c'est pas le même. C'est pas la même ambition, tu vois. Neo Koopa Police, elle est insanement belle, c'est quel cauchemar de sans cesser. Ouais, d'ailleurs, en soi, tu vois, genre, ils ont quasiment rien changé. Ils ont rajouté un peu d'antigravité, mais à peine, tu vois, sur Koopa Police. Mais visuellement, elle claque. Parce que, du coup. Quand ça, Koopa Police, je sais plus. Koopa Police, c'est. Non, c'est Neo Bowser Police, comment elle s'appelle? Non, c'est Koopa Police, je crois. Neo Bowser Police. Bah, c'est celle qui est un peu Neo Cyberpunk, tu vois. C'est Cyberpunk le jeu. Je te jure, c'est ça. Jardin volant, meilleure cause de Super Suki, d'ailleurs. Ouais, très très cool. Moi, j'ai bien aimé Dojo Ninja. Et Dojo Ninja, qui vient de Tours. Qui vient de Tours, ouais. Qui n'est pas noté comme tel. Oui, c'est bizarre. Ça n'a aucun sens. Je sais pas pourquoi ils l'ont pas noté, ils avaient honte. Mais elle est, genre, dans son tracé, elle est vraiment cool, le dojo. Ouais. Genre, vraiment, vraiment cool. Le côté, il y a un moment où il y a trois chemins. Il y en a un au milieu, un en haut, un machin, etc. Ça, j'étais vraiment... Ouais. C'est Sonic à mes yeux, donc j'étais en mode let's go, tu vois, c'est cool. Tu finis sur train, et tu finis sur le toit et tout. Moi, ça m'a rappelé vraiment, au-delà du côté Sonic... Parce que Sonic, c'est très connu pour avoir le truc. Je trouve que ça aurait pu être un peu un truc de Sonic Rider. Ouais. Parce qu'il y a le côté, si tu fais des sauts assez hauts, tu passes, machin, etc. Donc moi, j'aime bien. Elle est peut-être un peu courte, mais elle est cool. Mario Kart Tour a des circuits uniques cool, en vrai. Et par contre, les deux, genre Paris et Tokyo, ouais. Genre, elles sont OK. Elles sont OK. Mais le truc, c'est qu'elles sont OK, mais elles ont une saveur par travailler. Ouais. Elles ont une saveur, oui, ok, ça vient de Tours, tu vois, ça vient d'un autre jeu qui est beaucoup moins puissant, il est sur téléphone, évidemment. Et, je sais pas, elle manque de. D'épices, y a pas d'épices. Mm-hmm. Et c'est dommage, quoi, Cyberpunk met bien dans Mario, Dame. Après, Cyberpunk, je sais pas, j'y ai pas joué, c'est bien. Non, par contre, c'est vraiment de la merde. C'est hyper bugué, ouais. Oui, mais hein. Tu y as pas joué? Mais de ce qu'on me dit. Ah. De la critique générale, tu vois. Oui, oui. Apparemment, après, c'est de la merde. Promenade Toad d'ailleurs, course magnifique, incroyable. Ah bon? Parce qu'elle est, c'est la, t'es genre, vraiment tu descends et tu vois toute la ville. Dans et le genre... DLC? Non, justement dans le Mario Kart 8 de base. Ah oui. La map est blanche mais il y a pas d'épices, la blague. Ah oui, la map est blanche, d'accord. Elle est insane, c'est passé de Nintendo à ça va. De quoi vous parlez? Je sais pas de quoi tu parles, coucou. Mais ça va me faire rire quand Gilles va être à la maison et que ma mère va pouvoir affronter sur Mario Kart, je vais être morte de rire. Non mais ouais. En fait, pour l'instant, assez déçu. Et le truc, c'est que je pense, ils vont garder cet aspect graphique. Ouais. Et en vrai, tu vois, Supermarché Coco. Je l'aime pas du tout. Carta, je l'aime pas du tout. Bon, je ça reste Supermarché Coco, tu vois. Ils ont les textures. Déjà, l'escalator qui n'est pas un vrai escalator, c'est dommage. Les textures sur les parkings, tu les vois à peine, mais le temps que tu les vois un petit peu, c'est chiant. Les textures sur les parkings sont répétées, on dirait l'eau dans Arceus. Et les couleurs sont devenues super flash, alors qu'il y a vraiment un côté un peu épuré sur la Wii. Enfin, c'est vraiment dommage, quoi, c'est tout con, quoi. Ouais, c'est un peu dommage, et puis les trucs qui bougent plus, là. Ouais, les voitures qui bougent Enfin, c'est plus. Con, c'est vraiment... Pourquoi? Tu vois, genre, ça faisait partie du truc. Moi, tu vois, j'ai jamais été trop fan de ma Supermarché Coco. Je trouve que c'est une course cool.
Mais elle est pas non plus. Bah, elle est trop. Je sais pas pourquoi les gens sont genre amoureux de cette course. Elle est mimes de ouf. Elle est cool, mais justement, tu vois, genre un vrai traitement à la Mario Kart 8 où ils donnent. Enfin. Donne vraiment vie au supermarché, tu vois, en mode bah voilà, on est un peu comme un traitement promenade Todd où bah t'as l'impression. C'est beau, tu vois, t'as l'impression d'être dans une ville et tout, enfin c'est beau, il y a plein de détails et tout. Là, il y a rien qui est fait, le truc a l'air très vide. Vraiment, le truc a l'air vide. Et les couleurs sont plus criantes que d'habitude. Et fait, ouais, je sais pas, c'est dommage en fait. Assez déçu le groupe de rock. Par contre, j'aurais kiffé qu'ils ajoutent dans le pack DLC un truc pour que chaque perso ait un ou deux costumes différents. Oui. En plus. Genre Rosalina sorcière ou Luigi et Cossette. Ouais, parce qu'ils existent, ils sont sur tour. Oui, c'est vrai. Ça aurait pu être sympa. Ça aurait été mimes, tu vois, ça aurait été coûté rien. Je vais aller, je pense, peut-être que je repasse ce soir. Bah bisous, coucou, bah peut-être que je serai plus là. Parce que je suis assez... claqué. Oui. Je trouve ça un peu vite, fade. Ouais, voilà. Sauf, le jardin volant est cool. Montagne Choco est sympa, mais moi je suis pas fan de Montagne Choco de base. Moi non plus, de passion. Mais il y a une petite section, il y a un moment où tu vas dans un tunnel et c'est nouveau. Ah bon ? Oui, il y a un moment où tu vas... Enfin, c'est-à-dire qu'ils ont changé le tunnel. Le tunnel là-bas, je crois que c'est juste une ligne droite. Ouais. Et là, cette fois, c'est un peu plus. Il y a des cristaux et tout. Il y a un moment où tu vas dans le ciel. C'est un peu stylé. Genre, ouais. Voilà. Et voilà. Et Dojo Ninja, vraiment cool. Mais dommage. À chaque fois, en fait, t'es en mode... Mais certaines courses sont vraiment bien. Mais à quel point ça aurait été bien s'il y avait eu le même niveau de polish que sur les autres courses de Mario Kart 8, ouais. Quoi. Et du coup, en fait, même quand la course est bien, c'est frustrant. Ouais. Attends, on dirait moi quand je regardais Pro Mario. Ah bon, t'as pas aimé? C'était pas ouf du tout. Ah ouais. Ça, tu rends trop triste. Je comprends ton avis, mais t'as tort. Genre, tu vois. c'était trop quoi. Mais j'étais en mode, l'animation est sublime, mais le scénar est tellement mauvais que moi, ça me gâche tout. Le scénar n'existe pas. Hein. C'est vraiment. Bah après Trigger. Hein, c'est trois clichés collés l'un sur l'autre et puis des très jolies animations. Ouais. Et un parti pris d'équipe plutôt très intéressant. Je peux prendre du coca. Vas-y. De toute façon, c'est là-dessus qu'ils se vendent, hein. Limite, ils sont honnêtes comme un Trigger là-dessus. Oui, mais en fait, ce que m'a dit Théro, et je suis d'accord, mais du coup, vu que moi je m'en fous un peu de Trigger, genre j'aime bien Trigger, mais je sais pas l'attachement que t'as toi. Ce qu'il m'a dit, en fait, c'est l'accumulation de 10 ans de travail, tu vois. Parce que c'est vraiment, ça rassemble, ça a plein de refs à ce qu'a fait Trigger, et ça rassemble tout ce qui fait Trigger, tu vois. Je suis là, ouais, c'est très bien Trigger, mais moi, par exemple, un de leurs travailleurs préférés, c'est Little Witch Academia, pas la série, les courts-métrages. Et en fait, j'ai réalisé que ce que j'aime chez Trigger, c'est de la jolie animation sur une courte période. Tu vois ? Genre, une série ou un film, je trouve ça mauvais, parce qu'ils ont pas le temps de faire une bonne histoire, ils savent pas faire de bonnes histoires. Du coup, un petit court-métrage, je lui raconte un petit truc cool. Ou tu sais ce que j'ai dit, genre Trigger, il devrait faire des clips musicaux. Vraiment, en fait, je te jure, Promar, c'est un clip vidéo de 2 heures. Ah ouais, t'es dur, hein. Non, mais c'est pas méchamment. Genre, toute la qualité du film est visuelle. Et Théro est d'accord avec moi. Théro en mode, oui, mais moi ça me suffit, moi ça me suffit pas. Si le truc est visuellement incroyable, mais que scénaristiquement parlant, il y a même pas un. Parce que tu vois, genre, j'adore les films de la fée Clochette, tu vois. Genre, oui. C'est niais et c'est cliché, mais c'est chouette, c'est bien fait. C'est dans ces codes ultra clichés et refaits, c'est bien fait. Mais Promar, dans ces codes ultra clichés et refaits, c'est plutôt mal fait. Il a que le visuel pour le sauver et mais c'est tellement incroyable. Salut! C'est tellement incroyable visuellement que pour certaines personnes comme Théro, ça suffit. Mais moi, personnellement, ça ne suffit pas. Bah parce que je crois que Théro, en plus, genre tous ses refs à Trigger, il les a, tu vois. Ouais. Donc, oui, il est en mode. Même, genre, oh, il est vraiment fan du studio et super, de son genre, il y a une meuf, vois, elle a une souris, elle a une mascotte souris. Et t'es en mode, wesh, elle débarque d'où. Et en fait, elle m'a dit, ah oui, ça vient de machin. Je peux comprendre d'être en mode, ah oui, c'est l'histoire et tout, machin, c'est beau, tu vois, ça peut être bien. Après, j'avoue, à Trigger non plus, je suis pas non plus passionné. Ouais, du coup. Genre, même, tu vois, moi, j'ai regardé la série Witch Academia et j'ai pas trouvé ça. Ah, moi aussi, j'ai vu la série. Oui, mais toi, toi aussi, t'as un avis en mode. Genre, tu préfères largement les OAV, tu vois, mais moi, je les ai pas vus. Genre, c'est le seul. Tu regarder, il dure 20 minutes. Je crois que c'est le seul truc de Trigger que j'ai regardé en vrai. J'ai regardé Gurren Lagann, mais c'était avant. T'as essayé de regarder Pendy Stocking, mais on s'est endormi. C'est pas Trigger. C'est pas Trigger. C'est Trigger, Pendy Stocking. Oui. Ah bon? Oui. Ou alors le studio qu'ils avaient avant. Gainax? Non. Ouais, mais c'est eux. C'est un des deux. Mais Loi. C'est au moins un peu cool en termes de scénar.
Little Witch Academia, c'est Nier of course, mais ça a essayé au moins. Bah, c'est-à-dire que moi, je peux comprendre pourquoi même la série Little Witch Academia, en fait, c'est assez OSEF, mais c'est Slice of Life OSEF, tu vois. Donc, si t'aimes bien l'ambiance, tu peux aimer. Oui, c'est ça. Parce que le truc, en fait, ce que j'ai pas aimé, c'est que Prendre Mars, c'est plein, genre, ils t'en mettent plein la gueule, genre, il y a un putain d'enjeu et tout. Mais tu t'en bats les couilles, personnellement, je me suis attaché. Genre, il y a un perso qui meurt ou un truc comme ça, je suis pas personnellement attaché au perso parce qu'ils m'ont pas donné le temps d'y être attaché et de trouver ça important. Et bien sûr, aussi, un truc qui m'a énervé, c'est. Mais c'est pas en mode ça m'a énervé, juste vraiment, je l'ai vu, et en fait, j'étais en mode, bah, pff, c'est dommage quoi. Bah, les meufs servent à rien. Il y a des meufs pour avoir des meufs, tu vois. Il y a une meuf, elle sert à rien. Et c'est un peu dommage quoi. Si, si c'est Gainax. Non, la meuf, elle sert à quelque chose. Ah, c'est Gainax. La meuf, elle sert. La meuf, c'est un. La meuf, c'est un hétérobait. La meuf, c'est un pour dire oh si le mec il va finir avec elle, ouais. Et puis après, ils peuvent faire toute leur homosexualité en paix, tu vois. Ah, ça va. Ce qui est en vrai une bonne tactique, hein. Jésus, oui, Joshua Gagnon, c'est sa fin. Mais ça va en vrai, ça veut juste en foutre plein la gueule. Et Hétérobait aussi, hein, Little Witch Academia, hein. Bien sûr. Ils adorent faire ça, juste dire on va mettre un peu d'hétérosexualité, mais ils en fait. Même, ils ont pas même fait ça avec Brand New Animals. Si, oui, aussi. Je sais pas, je crois qu'ils veulent juste faire des histoires homosexuelles, en fait. Mais ils y arrivent pas. Ils veulent en faire, mais ils osent pas. Mais en même temps, tu m'étonnes, au Japon, c'est un peu galère, je pense. Après des années, je mate enfin Gravity Falls, car j'avais jamais regardé aucun rapport, mais voilà, je voulais le dire. Très très bien, Gravity Falls. Bah bravo, Neko. Enfin, bravo. J'espère que tu as bien aimé. Oui, moi aussi, j'espère que tu as aimé. C'est bien, Gravity Falls. C'est vraiment une bonne ambiance. C'est extrêmement. Je l'ai regardé, je sais plus, à 16 ans, je crois. Ah oui, c'était il y a longtemps. Faudrait qu'on se le remate. Ouf, je sais pas. Ça t'aimerait pas autant, tu penses? Si, je trouvais ça toujours marrant, mais je serais moins investi, quoi. Oui, bien sûr. En fait, moi, c'est un moment, genre, en fait, tout le début de la saison 1 est cool, puis le moment où la saison 1 démarre, genre, vraiment... Saison 2, tu veux dire ? Non, la saison 1, genre, où commence à y avoir les mystères qui se mettent en place et tout, et toute la fin de la saison 1, je me souviens, est très cool. Puis ensuite, ça... Genre, tu démarres, parce qu'il y a vraiment des vrais mystères. Oui, demain, The Hall House ! Oui, demain, The Hall House, c'est le reprend, c'est la saison 2 ? Ça reprend, ouais. J'ai toujours un peu mal que la saison 3 a été annulée. Oh, Arki ! À cause des homophobes. Salut Arki ! Le Divos, la fin de saison 1 est cool, mais la saison 2 insane. Non, mais la saison 2, oui, c'est le grand final. Tu vois, c'est le final. Mais ce qui est cool, c'est que genre, dans Gravity Falls, en fait, rapidement, t'as des vrais mystères qui sont intéressants au sein de la série que t'as envie de creuser. Donc, du coup, en fait, ça te fait continuer. Même les fillers un peu OSEF. Et puis, les fillers un peu OSEF sont souvent drôles. Donc, ça va quoi. Mm-hmm. Mais ouais, c'est vraiment. C'est parce que, genre, tu vois l'épisode où Dipper veut être un homme et du coup, genre, c'est vu comme un peu un truc de masque de merde. Oui. Et les gens se sont appropriés en mode en fait, c'est un mec trans. Et du coup, en fait, tout ça, c'est vraiment sur parler de sa masculinité. Et le pire, c'est que, genre, c'est vachement prouvé par plein de théoristes qui sont en mode. En fait, tu vois, les vrais jumeaux de deux sexes différents, c'est très rare. Genre, vraiment extrêmement rare. Du coup, genre. Ce serait pas étonnant que Dipper ou Mabel soient trans. Oui, je crois que j'ai déjà vu cette théorie. Genre, je pense pas que c'est comme ça qu'Alex y a pensé, parce qu'Alexis a une jumelle, juste qu'elle est pas identique. Mais du coup, les gens étaient, c'est pas possible d'avoir un jumeau identique qui n'est pas du... C'est pas possible. Enfin, c'est très rare, c'est vraiment extrêmement rare, et du coup, genre, la théorie tient, tu vois. Bah ouais, je crois. C'est marrant. Mm-hmm. J'allais faire une blague en mode MDR, les mystères de Gravity Falls, mais en fait, les souvenirs... En fait, c'est les souvenirs, je suis débilos. Mmh. Oui, c'est les souvenirs de Gravity Falls. C'est vrai que ça fait ce nom-là. De son meilleur personnage, c'est Stan. Oui. Qui est doublé d'ailleurs en français par un de mes doubleurs belges préférés. Enfin, je sais pas si c'est. J'aime pas dire doubleurs préférés parce que j'aime vraiment beaucoup doubleurs belges. Du coup, un doubleur belge que j'aime beaucoup, qui fait aussi la voix de Discord dans My Little Pony, il est très très bon. Et Gilles va me forcer à regarder la suite de The Hall House. The Hall House, moi, j'avoue, ça m'intéresse pas trop. Bah, ne regarde pas, t'es pas obligé. T'es plus très cartoon, je pense, du coup. Non, moi, j'aime pas de base énormément les cartoons. Et je sais pas, ouais, j'ai un peu l'impression que c'est... Tu pourrais aimer Edda. En plus, c'est... Oui, non, mais j'ai c'est la voix de la mère de Bojack, du coup, tu serais trop marre. Okay. Ça a l'air marrant, hein, ça a l'air cool. Mais je sais pas, je pense que c'est plus... Bah, c'est pas ta carte. Moi, c'est pas un truc qui m'amuse, les cartoons, maintenant. Oui, enfin, tu veux faire des films ça m'a jamais beaucoup amusé, tu vois, mais genre moi j'ai été très fan de Gravity Falls, de Steven Universe. J'ai été fan de Steven Universe au début, j'avais beaucoup aimé. Puis ensuite, je sais pas. T'étais très dans les fandoms plus à l'époque, tu vois. C'était beaucoup. Plus non, j'étais pas beaucoup dans le fandom, tu vois. Pas dans le fandom, mais genre dans les trucs à fandom, dans les trucs où il y a des fandoms dedans, tu vois. Ouais, et puis je sais pas, je trouve ça. T'es beaucoup moins. À voir, en fait, je trouve ça genre The Hall House, le peu que j'ai vu, ça a l'air cool, tu vois. Mais ça a pas l'air d'apporter vraiment un truc.
Bon, c'est un school life avec des sorcières, hein. C'est très Harry Potteresque, mais enfin pas full Harry Potter, ouais, mais genre, ça a l'air tu vois, cool. Genre, et après tout le discours, en fait, j'ai l'impression que oui, c'est les. C'est un peu la génération. Je sais pas quel genre de commu est fan de The Old House maintenant, mais j'ai un peu l'impression que bah, c'est les anciens de Steven Universe. Et le Gravity Falls, ouais, un peu la même. Enfin, c'est la. C'est la les fans cartoon, quoi, ouais. Et je sais pas, ça m'intéresse pas trop. Par contre, en vrai, Infinity Train, j'avais beaucoup aimé. Hein. Ah oui, oui, je trouve ça très cool, Infinity ça, Train. Ça, c'est vraiment bien. Dommage qu'il y aura jamais la fin. Ah bon bah, oui, non, ça a jamais été. C'était pas la fin ce qu'on a vu, je sais plus. Bah, ça a été annulé. Oh, mais c'est vrai. Mais je préfère oublier, tu sais. Pas. Tu sais, je préfère oublier, hein. Je préfère oublier que les trucs que j'aime bien se font annuler. C'est la fin, ils voulaient faire genre 2 saisons de plus, c'est ça, un truc comme ça. Ou 4? Je crois 4. Ils ont qu'à faire comme Little Witch Academia. C'est, Trigger, ils ont fait un Kickstarter pour Little Witch Academia, deuxième OAV. Bon, le truc, c'est que Trigger, il y a tous les fans zouz animés boy comme Tero qui sont fans, tu vois. Infinity Train, en vrai, personne ne connaît ça. Mais bon, les fans sont quand même fans. Tout le monde m'engueule car je regarde The All House en FR alors que ça me dérange pas. Elle est française. 4 saisons de plus, ils voulaient faire. Ah oui, ils ont vraiment été annulés, mais je crois que ça n'avait pas de succès en fait. C'est ça, lui, l'histoire? Mais ça n'avait pas vraiment son public vu que c'était destiné aux enfants, mais que c'était quand même vachement adulte sur le thème. Du coup, je pense que ça. Ouais, ça, c'était rude un peu, hein. C'était un peu rude. Il y a des moments rudes, hein. À la fin de la saison. La saison 3, elle se fait plaisir, hein. Ouais, c'était plutôt ouf. En vrai, j'ai ouais, prévu c'était le scénario entièrement. Je me souviens quand tu l'as vu, toi, t'étais en mode. Wow! Ouais, Arcade avait prévu le scénario. Il m'a dit, ah oui, ça arrive là, il y a ça. J'ai vraiment, j'ai dit le scénar. Après, c'était assez prévisible, tu vois, mais. Mais c'était bien, même pour un truc prévisible. Mais c'est con parce que les protagonistes devraient pas être un enfant. De quoi? De Infinity Train. De quoi? Il a dit quoi? Non mais c'est con parce que le protagoniste devait pas être un enfant. Pour Cartoon Network, oui mais il n'y a pas de point d'entrée pour les jeunes. Niquez-vous. Bah je crois qu'en fait c'était pas du tout une série adaptée à Cartoon Network, ouais, en fait. C'était, enfin, en vrai si. En vrai je trouve que c'est ouais. Genre, pour un, oui. Un enfant il peut regarder Infinity Train, tu oui, vois. Oui. Mais c'est juste c'est plus dur et plus ouais. Adulte. Surtout que c'est court, tu vois, c'est comme. En fait, ça reste assez simple, c'est pas non plus ultra. C'était très Over the Garden Wall. Et très gore, tu vois, mais c'est. Oui, c'est un peu. En plus, c'est un peu plus spooky, un peu plus. Un peu plus. Moi, je pense que les horreurs. L'horreur pour enfants. Tu vois. L'horreur pour enfants, c'est un truc qui devrait continuer d'exister et que je ne devrais pas backlasher ça, tu vois. Genre, pensez quoi de Dr. Stone? J'ai pas vu du tout. Pas vu non plus. Vraiment, la VF, elle est cool. Peut-être que je la m'en vais. Arcade beaucoup le dit que la version FR de All House c'est pas terrible. J'avoue, à un moment, je suis en mode ouf, mais ça passe. Après bon, ça arrive. Surtout que les, en vrai, les VF de cartoon c'est souvent les plus corrects. Hein. À part Steven Universe qui a la pire VF que j'ai entendue depuis des années pour un cartoon. Ah voilà, pire. Mais une des pires que j'ai entendues. Elle est vraiment pas ouf. Inch'Allah du tweet en achète ça. Ouf. Bah, mais c'est pas que du casting. Le casting est pas si mauvais, mais vraiment genre. Enfin, c'est, les voix de chant se ressemblent toutes. D'ailleurs, on n'a pas regardé la dernière saison de Rick et Morty. Non, on a un peu perdu intérêt. Parce que je crois, enfin, d'ailleurs, c'est je crois que tout le monde dit que c'est pas peu, ouf. Ouais. On dit que c'est pas ouf, Rick et Morty maintenant. On dit que ça a vraiment perdu en qualité. Mais je crois que dans la saison, il y a la fin de l'histoire de Evil Morty. Ah bon? Oui. Ah, putain. C'était quoi encore sa musique? C'est ça? Oui, c'est na. Je sais plus. Na. C'était comme toi, mais les notes étaient plus longues. Les voix arabes, surtout pour Cartoon Network, dans mes souvenirs, c'était genre bien. Incroyable. Les voix arabes? Trop stylé. Il y a des trucs comme ça. L'Italie est très bon. Le doublage d'italien Steven Universe, ça a l'air très bon. It's over is init en italien. Tout est finito. Tutto è finito. En vrai, je suis désolé, on m'a souvent conseillé Steven Universe, je sais pas, je trouve ça un peu mais. Alors non mais Demiurge, tu te tiens devant le first hater de Steven Universe. Et tu te tiens devant la plus grande fan déçue. Alors que j'avais d'abord aimé, hein. Mais j'étais visionnaire, hein. Parce que maintenant, beaucoup de gens crachent sur Steven Universe, hein. Oh, pas. En fait, c'est surtout parce que tu vis avec moi, hein. Y a pas tant de gens qui crachent. Oui, c'est vrai. Moi, je crache comme dans le. Non, mais après, je connais parce qu'il y a pas mal de. Y a une part aussi de la communauté LGBT qui aime pas Steven Universe, tu vois. Ouais. Je me souviens de. C'est une femme trans qui a fait une vidéo genre. Steven Universe is shit, un truc comme ça. Genre, elle était vraiment genre. Et nos... ouais, c'était mieux 3 heures qui ah oui, mais pourquoi cet univers c'était nul d'ailleurs, c'était bourré de mauvaise foi. Il y avait quelques trucs vrais, hein, mais c'était à fond, quoi. Il y avait vraiment une haine. Cartaz a vu Center World, ouais. Moi, j'ai pas vu. Enfin, j'ai vu de loin, ça avait l'air trop bizarre. C'est trop bizarre, c'est très intéressant. Et ouais. En fait, tu sens, genre, il y a plein de gens qui sont en mode ça pue le, on veut être cool, on veut être trop bizarre. Et moi, en fait, j'étais en mode ça pue le,
c'est notre sens de l'humour, on s'en bat les couilles. Du coup, en fait, c'est ou tu trouves ça hyper sincère ou tu trouves ça faux. Ouais. Parce que genre, franchement, genre, si, genre, tu vois, genre, Teen Titans Go, c'est de la merde, parce que c'est vraiment ce genre d'humour en mode, hop, proutin, machin, tu vois. Oui. Mais c'est un remake d'un truc hyper sérieux. Du coup, c'est de la merde oui. parce que ça reprend ça, tu vois. Mais Center World, c'est vraiment genre, c'est un projet à part. Et de, dès le début, l'humour était comme ça, du coup, t'es en mode, ok, c'est vraiment l'humour de la team, tu vois. Et tu aimes ou t'aimes pas, mais c'est, tu sens que c'est pas fait, faux, tu vois. Donc, pas la fin d'Evil Morty, juste du lore en plus. Ah, d'accord. Doublage italien de Naruto, je chiale. Technique azu. De la multiplication. De la multiplication del corpo. Incroyable. J'ai l'impression que SU, c'est 80% de fillers éclatés pour 15% de trucs un peu cool et 5% restant des épisodes musicaux. C'est ça. C'est dur. Alors, c'est pas vrai. Alors, il y a des fillers éclatés. Il y a des fillers sympas aussi. Mais ce qui était intéressant, dans tous c'était. Ceux qui avaient Ronaldinho là, ou je sais pas trop quoi. Ce qui était un peu cool dans ce univers, moi en tout cas, ce qui m'avait fait accrocher, c'était tout l'or et tout. Ouais. Qui était en vrai cool. Ouais. Genre, c'était un peu stylé et tout. Et en vrai. Et genre, des tout vrais petits. C'était, à petit, genre, c'était vraiment Universe... bien Unravel, je trouve. Genre, ça te dévoilait petit à petit, t'étais trop intéressant. Genre, en soi, Steven Universe, aujourd'hui, même le discours LGBT, il est ultra critiquable. Mais genre, ça date de quand, Steven Universe? Pourquoi critiquable? Bah. Pour le côté très pipou et discours. Oh merci Dieu! Oh mon Dieu, incroyable, c'est kiwi! C'est la deuxième fois que tu me raides, c'est incroyable! Putain, kiwi, incroyable, c'est ouf! Comment ça va? C'était bien le live? Moi, c'est le côté gay parce que j'étais maxi dans l'armoire, je comprends, Flaine. Non, mais c'est Steven Universe en tant que représentation pour les personnages gays et pour le fait de lancer. Le fait de vouloir représenter plus de personnages LGBT sur les, dans les médias mainstream, non, voilà, c'est ce que je dis. Ça a beaucoup aidé. Mais ce que du je coup, dis, c'est qu'en gros, moi, tu... Attends, je finis. Oui, mais parce que tu m'as coupé avant. Mais non, tu cherchais d'occuper, tu cherchais un truc. Parce que je cherchais la date de cet univers, okay. Quand ça a commencé. Mais vas-y, finis. Non, c'est bon. Salut Kiwi. Non, non, mais fini, tu m'as bitché parce que j'ai je t'ai oublié. Coupé. Bref, Steven Universe, aujourd'hui, tu peux fortement critiquer son discours, même son discours LGBT, parce que tout le côté pipou, très ultra safe, très innocent, on va dire. Tu peux le mettre en doute, être en mode, mais en fait, vous avez aussi vendu une certaine image qui n'est pas forcément celle de tous, et vous avez aussi provoqué certains discours qui ont été très hégémoniques sur Internet dans une partie des trucs, mais en même temps, en 2013, il y avait pas mal de gens qui avaient besoin d'une série qui était vraiment en mode, ouais, il y a plein de gens qui sont différents et c'est cool. Donc moi, je peux critiquer surtout genre, comment il a traité ses persos et comment ça a fini. Ouais. Et surtout que, en fait, dès sa fin, arrivé à la fin, cet univers, c'était déjà plus pertinent, en fait. Mm-hmm. Ça qui était dommage. Et que c'est resté, c'est pas un peu bas de plafond. Mais on parle de Steve, en fait, on parlait de cartoons, et des cartoons qu'on attendait, et machin, etc. Arcade, ne regarde pas beaucoup de cartoons, mais il était là j'ai quand... J'ai été anciennement fan. Il était anciennement fan de Steve Universe avec moi. Et on a beaucoup de trucs à redire sur Steven Universe parce que c'est un peu une descente aux enfers sur le scénar, etc. Et tu sens que c'était pas très bien géré, etc. Du coup, on a une dent contre Steven Universe, mais on parle de quand même du bien que ça a apporté. Surtout pour la communauté LGBT, parce qu'en fait, Steven Universe, ça a réellement poussé beaucoup plus de créateurs LGBT à réellement mettre de leur présentation dans un milieu où c'était vraiment pas du tout mis en avant, ni voulu, ni désiré. Genre, Steven Universe, ça a été fini de manière abrupte. Parce que en fait, ils ont perdu tout le soutien économique des pays qui ont une façon de faire dans les médias, surtout pour les enfants, très homophobe et très effaçante pour le public LGBT. Et du coup, Steven Universe, il a perdu le founding de plein de pays. Et du coup, après, ils ont perdu genre au moins 3 saisons. Et du coup, la série, en plus déjà, la série gérait pas trop certains de ses messages, etc. Mais en plus, elle a dû être rushée. Du coup, ça a vraiment détruit la série. La fin, elle est vraiment pas ouf du tout. Mais c'est pas... Genre, même si j'en veux beaucoup quand même sur plein de points à la série, parce qu'elle m'a un peu laissé tomber sur... Alors que c'était moi, un peu ma base. Ouais, le traitement de ses persos, la série devient pas ouf. Hein. Ouais, et en général, ouais, je lui en dois quand même beaucoup. Genre, j'aurais jamais eu les réflexions que j'ai eues à genre 13 piges si je l'avais pas eu à cet âge-là, tu vois. Du coup, elle est importante, elle est très bien pour la génération, elle a apporté beaucoup de bonnes choses, je pense, mais elle a ses défauts. Et du coup, je l'aime d'amour, cette série. Même si je la déteste, voilà. Du coup, c'est une série que j'ai adorée, qu'ensuite à la fin j'ai détestée, et que en apprenant à la détester, j'ai appris encore plus l'aimer en me disant ça m'a appris à être critique, ça m'a appris à voir les choses. Elle s'est pas actualisée. En vrai, je trouve qu'elle était ambiguë dans son message, parce qu'en soi, c'est une série pour enfants qui a été aimée que par des adultes.
Donc bon. Oh, il y avait pas mal d'enfants qui aimaient Steven Universe en vrai. Bah, pas tant que ça, je crois. Bah, y avait une, bah, c'est comme, y avait une grosse majorité, c'est comme Little Pony, il y avait une grosse majorité des adultes, mais les enfants aimaient quand même, tu vois. Ça avait pas, pas de son public. C'était pas la plus populaire de Steven Universe Network, mais plein de gens qui aimaient Steven Universe. Je me rappelle la chanson de Garnett en mode à midi en arabe quand je m'étais petit, je trouvais ça corny. Bah, après, que, genre Steven Universe c'est corny, tu vois, mais il y a une part de corny assumée. Ah, c'est très chouette dans son corny parfois. Hein. J'étais enfant, c'est très pipou, je, hein, moi j'étais un enfant et je kiffais. Oui, non, mais je comprends. Moi aussi, en soi, j'étais un enfant, j'avais 13 piges. Bah, t'as regardé dès que ça a commencé ? Ouais, plus ou moins 14-15, entre 13 et 14, je sais plus quel âge j'avais. Parce que je pense que je regardais. J'ai regardé à 16 ans. Ouais, j'ai trouvé ça cool. J'étais peut-être plus vieille, je rétrécis peut-être les chiffres, je sais plus. Regarde, c'est ton point de vue, mais pour te dire, tous mes petits frères et sœurs aiment beaucoup Steven Universe. Non, mais je dois être biaisé aussi parce que, genre, les seules personnes dont j'entendais en parler, c'était. Évidemment, les gens sur internet, tu vois. Les adultes, mais globalement, ouais. Il me semblait que même, tu vois, c'est pour ça qu'il y a aussi eu du mal, tu vois. Oui, si la série avait un immense succès, mais auprès des jeunes, jamais ils auraient eu des problèmes en termes. Enfin, ils auraient eu un rapport de force énorme sur le studio, tu vois. Après, je pense qu'ils diffusaient pas aux bonnes heures. Ça arrivait qu'ils diffusaient pas aux bonnes heures et tout. Tu vois, juste pour dissuader. Oui, probable. Mais globalement, c'est, un peu la c'est effectivement, comme My Little Pony, c'était effectivement beaucoup aimé des enfants, parce que c'est aussi une série qui passait là-dessus, mais il y avait une énorme communauté aussi, qui était pas du tout enfantine, ou qui était genre plus vieille, en fait, de quelques... Ouais, de 5 à 10 ans, tu vois. On va voir qu'à Tony Network, il y avait tout dès leur lancement, c'était cool. Ouais, c'est stylé. Mais en fait, il y a un moment où je trouve Steven Universe... C'est parti en fait de façon plutôt cool sur un traitement intéressant des côtés LGBT de façon assez assez directe. En fait, c'est devenu genre à la fois au moment où son public était devenu au final moins enfantin, son discours est devenu de plus en plus enfantin, j'ai l'impression. Genre son traitement de ce dont ça parlait est devenu très juvénile et vraiment très tu existes et c'est cool! Et je suis en mode. Oui! Bah, oui, il y a des gens qui en avaient besoin, mais oui, c'est vrai que c'est devenu. Ils l'ont traité un peu genre. C'est même pas genre. Le message a toujours été un peu tu existes et t'es cool, mais c'est cool, mais c'était moins. Ouais, c'était un peu moins nunuche au début, je trouve. Saison 2, elle était très bien aussi. Faudrait que je revoie, ça fait longtemps. Maintenant, tous les vieux dessins animés bangers que j'ai pu regarder. Genre, les gens, salut, salut, YouTube.fr, bien sûr. Le 30 mars, je vais avoir 23 ans, je me sens vieille, donc encore plus de dessins animés à rattraper. Bah c'est bien, moi en vrai j'ai regardé Avatar au confinement. Hein. Ouais, c'était bien. C'était bien. En fait, il était pas. Il a pas regardé avec nous au début, on regardait la saison 1 avec les potes. Salut! Bye, Ombrage! À lundi! Dimanche. Ou dimanche, ou mardi. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, il regardait même pas avec nous au début, puis on arrive, finale saison 1. Et il y a un putain de style graphique. Et vraiment, très bon épisode. Très bon épisode, le final. Mais un des meilleurs d'ailleurs, parce que après, t'as dit ça, j'avais dépassé. Vraiment ça. Un des meilleurs. Il y a pas beaucoup, je trouve, qu'ils l'ont dépassé après. Et genre, mais c'était... ouais, il a rejoint après, c'était rigolo. C'était cool après, bon, il y avait des moments où je trouvais chiant quand même dans Avatar. Mais il y a des. Ouais, mais en soi, c'est solide, ça reste solide, tu vois. C'est solide, c'est cool. Les stems sont quand même plutôt stylés. Et puis, ça genre. En vrai, ça sent l'ambition, tu vois, et ça fait plaisir. Ouais. Genre vraiment les gars qui sont posés, ils ont dit on va faire un shonen. C'est ça. Et ils l'ont fait. Et du coup c'est stylé quoi, genre c'est cool. Donc ça fait plaisir, il y en a très très peu quoi. Des séries comme ça. Puis tu regardes les séries qui ont un peu héritier de ça, comme Voltron, et tu pleures. Ouais. Non, Voltron c'était bien jusqu'à la dernière saison en vrai. Hein. Ouais, puis je sais pas, il y a moins d'impact. Ils ont fait de l'immense queerbaiting. Ah ouais, sérieux, putain. Donc Voltron c'est une grosse phase des fandoms internet en vrai. Hein. Genre tout le monde en parle un peu comme la guerre, tu sais. C'était Voltron. Personnellement, la scène finale avec Steven qui fait la paix avec lui-même me touche toujours autant. Ah non, mais elle est très belle, c'est juste qu'elle est pas très bien amenée. Et puis futur aussi, c'était un peu... Enfin, ouais, je sais pas. Non, mais le message était beau et tout ça. De quoi ? J'étais déjà assez... Oui, c'était déjà un peu loin. J'étais pas dans un bon... Genre, j'étais pas en mode appréciation de l'œuvre en fait. Ouais. Je sais qu'on regardait le film. J'étais en Hate Watch et du coup ça marche pas. Ouais, c'est ça. Nous on regardait le film avec Flo et tout et t'étais là et tu crachais dans le film et j'étais en mode tu peux fermer ta gueule 2 secondes. Genre vraiment j'étais le un peu saoulée. Ouais, le film. Il est pas ouf hein, mais moi et Flo on kiffait et tu te foutais de la gueule du film toutes les 5 secondes. Genre mais putain ta gueule 2 secondes, c'est pour regarder le film en fait. Genre. Et ouais. Mais ouais, du coup, moi je vous conseille de regarder les séries que vous aimez bien avec des gens qui aiment bien. Parce que regarder avec des gens qui aiment pas, même si c'est vos potes, en mode même si. Arcade a le droit de regarder les films, tu vois, et on était tous là, tu vois, mais vraiment des fois, genre. Genre, tu vois, Promar, je pense que j'ai envie de me le regarder toute seule.
Je regardais avec Théro et du coup j'avais un rire critique dessus. Je veux le regarder toute seule et en VF parce que regarder Probar en VO quand tu as du, quand t'es comme moi et que t'as du mal à lire les sous-titres, putain c'est un enfer, tu peux pas regarder la belle animation. Ouais ouais. Du coup je vais la regarder en VF et en plus la VF apparemment est pas mal, du coup voilà. Avatar c'est un peu comme Arcane, vraiment on n'est pas équipé pour comprendre à quel point cette série est ouf. Quand je suis renseigné, je trouve ça ou vraiment à quel point c'est riche Avatar. Alors, bon. C'est après, très bien à Arcane, l'époque, c'était mais ouf. Pas genre. À l'époque c'était un peu. Je trouve qu'on suce un peu trop Arcane. Genre c'est vraiment bien, hein, mais. C'est surtout une immense prouesse visuelle. Et c'est une vraie solidité de scénario. Ouais. Mais c'est pas non plus, genre, ça reste, c'est assez. Enfin. C'est assez convenu ce que ça raconte ouais. Globalement. Ouais, mais enfin. Et c'est cool, moi j'ai beaucoup aimé, j'aime bien, c'est une histoire un peu à la Joker, enfin c'est machin, enfin. C'est cool. C'est un truc que j'aime bien, moi, c'est. Enfin, c'est un truc qui est ouf avec ce que je trouve ouf avec Arcane, c'est que c'est pas parfait, mais c'est tellement genre. Tout me touche. Et tout touche tellement de gens aussi. Ouais, genre, moi je trouve. Genre, pas seulement genre juste le visuel et même les personnages et le scénar et l'écriture. Parce que tout est pas parfait, mais en tout cas ça touche les gens. Mais les musiques, l'ambiance, genre plein de trucs comme ça, plein de petits détails. Ouais, je vois. Genre, non, mais c'est vraiment genre c'est le, niveau polish, de, le niveau de polish, de finition, de détail, d'attention, d'ambition. Il est incroyable. Genre vraiment, Arcane, c'est pour ça que c'est aussi une prouesse visuelle, évidemment. Mais visuelle dans tous les sens du terme, tu vois. Autant au niveau de. Des textures, de l'animation, de la 3D, de machin, et puis enfin même aussi de la. En fait, de la production value, quoi. Genre des. L'acting est bon, les voix sont bonnes, en fait, de la prod, quoi. La prod est bien, et après, genre en mode. Et l'histoire. La prod a pris 6 ans. Le scénario, il est bien ficelé, il est détaillé, il est bien, tu sens qu'il est fin, qu'il est écrit de façon fine. Genre, il est en mode, ils ont fait attention, tu vois, à tout ce qu'ils faisaient et tout. Et du coup, c'est cool. Genre, c'est intéressant à suivre, c'est cool. Quelqu'un a des knowledge en serpent? Sincèrement, non pas que visuellement, même si oui, c'est largement exceptionnel. Mais j'ai pas dit que visuellement, tu m'as écouté, Féris. Moi, je trouve que le scénario est vraiment très bien. Et ça raconte un truc après à voir, faudrait que je l'analyse peut-être plus longtemps, mais... C'est pas non plus, genre... Je trouve que les trois premiers épisodes, c'est une dinguerie. Je meurs de faim, je reste en lurk. Ok, Kiwi, bon app. Mais après, ça reste, c'est plus... Ça reste classique. Après, classique veut pas dire moins bien ou mauvais, mais juste ça reste... Ah oui, c'est ça, oui. C'est pas... Ça reste classique, quoi. Oui, c'est comme mais cool. Moi, quand bien maîtrisé, bien fait, bien rythmé, tout, enfin, cool, quoi. Je trouve que des fois, il y a des critiques qui genre, c'est pas forcément, ça veut pas dire que c'est mauvais, genre. Quand je dis que, genre, tu vois, Théro, il était d'accord, il était en mode, oui, Promar, c'est un scénar de merde et machin, etc. Mais il y a lui... un fan de Promar dans le chat, du coup. Heureusement que t'étais pas là avec 15 minutes parce que ouf. De quoi? Il y a un fan de Promar dans le chat. Quoi qu'il a dit que. Il y a Dava qui est en mode Promar VF incroyable, film incroyable, c'était incroyable dans Promar. Et si t'étais là il y a 30 minutes. Cartaza descendu. J'ai trouvé le scénar de Promar est genre. On va pas refaire. Non, je lui dis il sert à rien. Genre s'il était pas là, ce serait pareil. Mais le film est sublime. Mais c'est tout ce que j'ai à dire. C'est qu'il est beau. Voilà. Visuellement. C'est tout ce qu'il a pour lui. Mais c'est très beau. Mais vu que c'est sur ça qu'il se vend, écoute, GG à lui. C'est tout ce qui. Mais moi, c'est pas ce qui fait un bon film pour moi. Mais si c'est mais l'important c'est que les gens qui sont touchés par ça en profitent bien. Mais pour moi ça devrait pas être un exemple pour le milieu de l'animation japonaise. Ça devrait pas être genre une espèce de base. C'est genre en mode oh oui, il faudrait avoir plus de films comme ça, je vois non. Trigger fait bien, très bien ça, et il faudrait pas plus de studios qui fassent comme ça. Laissez Trigger à sa ligne. Oui c'est ça. Bah après si d'autres studios veulent faire ça, genre je fais quoi. Bah, si vous voulez, oui mais ça me rendrait triste que le milieu paysage. Ah, mais le scénar de Promar, c'est du même niveau que les autres produits du studio Trigger. Je crois que c'est l'idée. Ouais, c'est ça. Je crois je crois que la critique, c'est pourquoi vous êtes habitué à avoir des histoires de merde. Ouais, c'est ça. Genre, c'est en mode. Genre, vraiment, c'est en mode. Genre, mais même, tu vois, genre. Ouais. Même Little Witch Academia, c'est un peu pourri, mais c'est un peu mignon, tu vois. Oui, moi, c'est ce qu'on a dit. C'est, en fait, c'est vraiment. C'est Slice of Life aux F, mais il y a un charme à Slice of Life. Promar ou Little Witch Academia, ça m'a donné le même feeling que c'est le même niveau de scénar qu'un Disney Channel Original Movie. Sauf que Promar, ça parle de trucs un peu plus graves, mais ça reste dans la même vague. Ça parle de Trigger. Oui, parce que Carthaz... Salut Coco. Carthaz a vu Promar, elle a pas aimé. J'ai pas aimé. Mais imaginez juste un instant, les fans de Trigger, imaginez... Un film Promar avec un bon scénar. Une série Trigger avec des personnes qui savent écrire derrière. Oui, je demande même pas un excellent scénar, je demande un scénar correct. Et bien ficelé, un minimum. Ouais, même Arcane, parce que Arcane, c'est
Genre, j'ai dit que c'était bien ficelé, mais c'est plus bien ficelé, il y a de bonnes idées et tout, c'est très bien rythmé. Mais un truc genre, ouais, niveau arcane un peu moins, même niveau arcane en fait. Imaginez un truc niveau arcane, Trigger. Ce serait sublime. Vous serez genre matricé par le dos en fait. Mais c'est incroyable. Comme après, tout le monde Trigger... trouve que c'est incroyable arcane parce qu'il y a une alchimie qui se passe entre l'histoire en vrai, et les visuels. En vrai, peut-être que je comprends, genre, Trigger ça se prête pas trop à ça. Parce que littéralement, genre, le visuel, juste les prouesses visuelles prennent 90% du temps. Et c'est leur choix. Oui. Genre, t'as pas le temps pour le développement artistique quand t'as 50 000 drills qui vient sur un mec qui fait un looping. Genre, il y a des exemples d'animés ou d'œuvres où, genre, les moments de prouesse visuelle qui durent 90 minutes sont encore plus fortes parce que tu vois tous les enjeux qui sont derrière. Genre, comme on dit, genre, tu vois, la scène de Versus avec Jinx et Echo, s'il y avait plus de développement sur les deux, elle aurait été encore plus impactante. En soi, je trouve, tu vois, bon, même si c'est avant Trigger, mais c'est les anciens de ce studio de Gainax, genre, Gurren Lagann, je trouve que c'est un de ses points forts, c'est qu'il y a des enjeux dans Gurren Lagann. J'ai jamais vu Gurren Lagann. Et globalement, les scènes de grande animation grandiloquente, même si, bon, c'est pas non plus ce que je préfère, Gurren Lagann, mais il y a des moments où tu sens les persos, tu vois, t'es en mode... Il n'y a pas besoin de grands enjeux et de grands... Justement, je trouve que Promare a des trop gros enjeux pour ce que c'est, tu vois. Genre, si ils avaient été plus... Même genre, c'est ça, ils devraient être moins ambitieux. Parce que genre, moins t'es ambitieux scénaristiquement, plus je trouve que tu peux être ambitieux visuellement, parce qu'en fait, tu t'en fous que si le scénario va bien, tu vois. Tu trouves qu'il se prend trop au sérieux? Un peu, ouais. C'est un peu ça, ouais. Il se prend un peu, genre... C'est pas non plus genre... C'est un peu... Enfin, il se prend pas trop que ça au sérieux, tu vois. C'est un peu genre en mode... C'est très Trigger, c'est très genre de l'humour, tu vois. Je trouve que oui, Trigger, mais les moments... Justement, ils se prennent pas trop au sérieux. Les moments hyper sérieux, ouais. Les moments sérieux du film où t'es censé avoir de l'attachement pour les personnages et dire oh non et tout, j'y arrivais pas trop, tu vois. C'est-à-dire que je vois le côté Trigger, le côté... Genre, ils savent qu'ils font du bullshit shonen, tu vois. Ouais. Et ils l'utilisent en mode bullshit shonen et du coup, tu vas hurler à avoir de la bonne. Et le truc, c'est que nous, on va faire bullshit shonen où juste les persos hurlent parce qu'ils veulent se battre, mais avec l'animation la plus dingue possible, ouais, tu vois. Ouais. Et moi, j'entends cette proposition. Mais c'est je pas comprends bullshit shonen, pourquoi c'est cool. C'était genre critique de sociétaire pour Marc. Ah oui. Du coup, je suis en mode, ouais, c'est pas trop le truc de... Après, critique sociétaire, c'est bullshit shonen, hein. Ouais, oui, c'est vrai. C'était ça, Promare, c'est juste du sexy gay, très bien animé, Kamina. Voilà Coco. Mais c'est ouf, Kamina. C'est un truc que j'y pense, hétérobaiting, il y en a plein hein, dans les trucs de gays, ils adorent faire des gays. Et c'est good for them, hein. Juste que c'est dommage qu'ils peuvent pas faire plus. Brain Animals aussi, c'est quoi d'autre? J'avoue, on se fait hétérobait. Vous aimez les pauvres hétéros? Les pauvres qui, tu sais, regardent en mode ah, j'ai trop envie d'une romance hétéro. Et bam, j'en ai pas assez. Dans les médias mainstream, y'a pas assez de romance. Et bam, des homosexuels, putain, encore. C'est trop chiant. J'ai accepté tout ce qui s'est passé avant, mais je commence à attaquer Gurren Lagann. Si ça commence à attaquer Gurren Lagann, je jamais vu Gurren. Justement, on a dit que c'était j'ai vu Gurren Lagann entièrement. Et je me suis fait un peu chier, j'avoue. Genre, je vois. Alors, peut-être que j'ai raté ce qui était la force de l'œuvre, mais je sais pas, je trouvais ça assez chiant. En fait, le côté un peu surenchère, au bout d'un moment, ça m'a ennuyé. Et les persos étaient un peu chiants. Bah, en vrai, c'est ça, la surenchère, tu t'es touché ou t'es pas touché, tu vois. Alors que moi c'est ce que je dis à Théro, tu vois, genre, je comprends que ce film n'aurait pas plu arcane, mais moi, je suis pas très visuel, et ça m'a quand même pas plu. Du coup, je trouve c'est un peu échoué, genre, enfin, pour moi, en tout cas, dans mes carcans de qu'est-ce qu'un bon film et tout, ça a un peu échoué, parce que même moi, qui suis très visuel, et qui souvent juge un film très beaucoup par ses visuels, bah même là, ça m'a pas charmé, tu vois. Kill la Kill est un paragon de baladonation japonaise parodiant le médium des Magical Girls dans cette scène. Nous allons... Alors par contre, un truc, parce que t'as pas vu, je crois. J'ai pas vu Kill la Kill, mais ça, Kill la Kill, je pense faut voir Kill la Kill, parce que c'est leur magnum opus, tu vois. Ouais. Genre, c'est Kill la Kill qui les a fait, globalement, et apparemment, ça raconte un truc, quand même, Kill la Kill. Donc bon... Globalement, le message de Promare, c'est que la discrimination et le génocide, c'est pas ouf. Ce qui est un message sympa à tenir. Ouais. C'est pas mal, hein. Sympa. En fait, en vrai, c'est marrant parce que Théro, justement, il me disait, c'est bien parce que je trouve que ça a l'air de parler de ça, mais c'est, pour moi, ça a plus un message écologique, mais j'ai rien compris hein, quand il m'expliquait c'était quoi sa vision du message écologique. Du coup, faudrait lui redemander. Mais voilà, quoi. Oui, il aurait fallu avoir Théro encore une fois sur ce stream. Ouais. Il vous aurait dit des takes très problématiques encore une fois. Promare, un mec androgyne dans le couple, il se force pas trop. Position berserk. Bon, y a pas de mal à avoir un couple androgyne. Enfin, c'est cliché de faire genre un mec androgyne et un mec ultra baraque parce que ça fait très le CV, le OK, putain, les fans de yaoi de merde. Ce que j'étais, hein, je n'en dirai rien. Et j'en suis toujours un peu. Parce que j'aime toujours bien les yaoi et les histoires comme ça. Parce que j'ai été un peu élevé, enfin, réalisé à ça sur internet. Mais oui, c'est pas grave, je trouve, de faire des trucs un peu clichés parfois, tu vois. Genre, on dit ça, mais Arcane aussi est très cliché. On a une butch et une femme, tu vois, genre pour le couple lesbien, tu vois.
C'est pas grave de faire des clichés parfois, parce que des fois c'est vrai, tu vois, mais c'est vrai que oui, la présentation des couples homosexuels. C'est plus la bouche et la bourgeoise, quoi. Bourgeoise. Parce qu'elle est pas si. Elle est pas si femme que ça, c'est elle vrai. Elle est pas si. Ouh, tu vois. Ouais, mais elle est plus genre élégante. Elle est plus ouh. Ouais. Mais Bon, elle est pas très ouh. Mais elle est pas, très ouh. Je dirais pas ouh, juste élégante, plus, oui, plus oui, voilà. Propre sur soi, etc., tu vois. Bon, c'est la pauvre et la riche, quoi. Enfin, c'est. Qu'il a qui, c'est des gens de se dripper. Je crois que c'est ça le message, hein. Le message c'est tripez-vous putain. Mais c'est pas justement. J'ai pas envie de faire le fanboy chiant, mais sincèrement vous avez vraiment pas trouvé Gurren Lagann intéressant dans son histoire de fond. Bah c'est quoi pour toi l'histoire de fond de Gurren Lagann alors? Ça vraiment ça m'intéresse parce j'ai que jamais je pense, vu Gurren Lagann, je pense que je suis passé à côté en fait surtout. Mais je sais pas, j'ai pas vu grand chose d'autre que. Ouais je sais pas, ça m'a un peu ennuyé en fait. Ouh c'est pas grave, hein, des fois on passe, c'est juste à notre test de thé tu vois. Après, j'ai vu ça à 15 ans quoi donc. Ouais peut-être que je suis quand même mieux maintenant. Donc bon. Genre j'ai vu ça, ouais. Moi j'ai vu ça après Code Geass quoi, donc pour moi il y avait que Code Geass dans ma tête. J'étais en mode Code Geass, no, Code no Geass, brain, no think, Code Geass. Code Geass. En vrai c'était avant Code Geass, j'ai dû regarder ça à 13 ans Code Geass. Ce qui est le meilleur âge pour regarder Code Geass. Ah bon? Bah ouais je sais pas, c'est le moment où vraiment, le même âge où tu lis Death Note quoi, je sais pas. Moi j'ai lu Death Note à genre 13 ans, j'ai eu trop de mots, genre vraiment c'était, j'ai fatigué. J'ai pas pu du coup, faudrait que je regarde l'anime en VF. Parce que la VF est bien et c'est rare les c'est rare les VF les je vais pas dire c'est rare les rares les bonnes VF parce qu'il y en a plein, mais c'est rare les VF où même les fans de VO sont en droit, elle est bien tu vois, parce que j'en ai vu pas mal des gens, oui. Qui sont fans de Death Note qui ont bien aimé la VF, du coup ce serait pas mal de regarder ça en VF, surtout que j'ai vraiment beaucoup de mal avec les sous-titres, du coup regarder des bonnes VF ça m'aide beaucoup, et du coup tous les gens qui sont en mode non mais les VO c'est vachement mieux et tout, je suis en mode oui mais parce que quand même Death Note faut s'accrocher quoi, ouais. Faut quand même, c'est quand même un peu gros cerveau. Code Geass, j'ai regardé en VF, Wendo m'a insulté pour que je regarde en VO. J'ai tout recommencé en VO, j'ai drop au bout de 15 épisodes. Ouais. Mais des fois, il y a des trucs comme ça, genre. Des fois, les VF, juste parce que à cause de ton attention span ou des trucs comme ça, mais c'est ça te sauve une vie. Genre, Brooklyn Nine-Nine, Clara voulait que je regarde, j'accroche pas et j'arrive pas parce que mon cerveau n'arrive pas à écouter en VO en anglais parce que ben, je comprends l'anglais mais c'est pas ma langue de base, tu vois. Et je commence en VF, je me dis putain la VF elle est bien, genre vraiment les voix sont bien trouvées, les blagues sont drôles, des fois ils rajoutent même leurs propres blagues avec l'intonation, etc. Et j'ai kiffé la VF de Brooklyn Nine-Nine, c'est sûrement une de mes VF de films, de séries filmées. Parce que souvent les séries filmées c'est quand même plus intéressant à regarder en VO parce que t'as le jeu de l'acteur. Mais Brooklyn Nine-Nine, je trouve qu'ils ont nail la VF parce que t'arrives. Je dis pas que c'est mieux que la VO, juste que moi ça m'a sauvé la série parce que sinon j'aurais pas accroché. Parce que juste, en fait j'ai vraiment du mal avec les. J'ai du mal à lire les sous-titres en fait, c'est vraiment galère pour moi. Et c'est genre. C'est un réel handicap et en plus moi je suis pas illettrée, tu vois, je sais lire, c'est juste que j'arrive vraiment pas, c'est dur pour moi. Du coup, j'arrive même pas à penser aux gens qui sont vraiment sincèrement illettrés ou trucs comme ça. Et les gens leur disent non mais c'est mieux les VO, je suis ok ta gueule, enfin juste. Ouais, tu dis pas un mec qui ne sait pas lire c'est mieux les VO. Non mais il y a des gens genre avec des dyslexiques qui sont dyslexiques ou des trucs comme ça. Oui voilà. Et on leur dit quand même, si parce qu'il y a des gens qui s'en foutent. Ils sont en mode oh tu regardes en VF, je dis oui j'ai du mal à lire les sous-titres, t'es en mode on s'en fout, c'est bien. Après tu vois je peux entendre le débat, t'es en mode mais est-ce que tu vas vraiment conseiller une VF qui littéralement à tes yeux gâche l'œuvre, tu vois. Ah non mais non, non t'es justement. En mode, bah, du coup passe, je sais pas. Moi je critique pas les gens qui critiquent les VF qui disent celle-là elle est vraiment pas bien pour la série que j'adore. Ouais. Je critique les gens qui sont en mode ça devrait pas exister. Et y'en a pas mal. Ça, c'est débile. Mais y'en a plein. Ça, c'est vraiment débile. Y'a plein de gens qui sont en mode la VF devrait pas exister. Genre c'est pas bien, c'est des gens, ça fait bosser des gens, enfin, ouais. C'est cool, il y a une expertise. Oui, c'est vraiment accessible. C'est pas des cons les gens qui font des VF, ils savent ce qu'ils font. Je regarde Script en VF, exactement. Ce serait trop drôle. Très bon doublage, hein. Très fort celui qui me double. Parce que là, je t'ai déjà rencontré, adorable. Arcade il se fait doubler, là actuellement en fait il parle anglais. Ouais, de ouf. Il faudrait qu'on leur fasse écouter ta vraie voix un jour. Après, sur Code Geass, moi j'ai regardé Code Geass parce qu'on a fait découvrir à Carthaz et je sais pas, c'était mieux dans mes souvenirs. c'était extrêmement 2000, enfin l'année où je suis sorti, ça faisait très vibe de ces années 2010. Ah oui, je joue, c'est une VF maintenant. Oui, elle est pas si mal en plus, la VF de partie 3, j'ai vu tantôt. Elle est très concise, enfin elle est pas non plus incroyable. C'est pas celle de l'OAV quoi. De toute façon, je regarde en anglais avec des sous-titres anglais parce que je suis con. Moi, je fais mais ça t'es avec. Pas con, c'est excellent, c'est très bien pour apprendre en plus. C'est bien pour apprendre, pour améliorer son anglais. Et mais tu sais qu'il y a même des anglophones qui font ça, ils sont en mode juste parce que des fois je comprends pas ce qu'ils disent, tu vois, t'es en mode ok. Ah oui, moi j'aime bien parfois regarder des vidéos français avec les sous-titres français. Ouais, moi aussi je fais ça. Parce que ton cerveau il assimile les deux et ça devient. Ton cerveau il fait ça par automatisme, tu vois, il écoute et ouais, voilà.
Ou typiquement, des vidéos anglaises avec des sous-titres anglais, je trouve que c'est confortable. Quoi. Ouais. Alors que parfois, je le fais sans, parce qu'il n'y en a pas, parfois. Ouais. Mais... Des fois, t'as pas le choix, c'est tout. Mais moi, je fais ça souvent quand je télécharge des films et que bah, c'est dur de trouver des sous-titres anglais. Donc du coup, je prends les des sous-titres français, c'est dur d'en trouver. Donc du coup, je prends des sous-titres anglais, qui sont beaucoup plus simples à trouver. Qui sont même souvent dans le fichier, de base. Elden Ring, oui, Don, j'ai vu tes messages, je les ignorais volontairement, mais tu me rends triste. Donc oui, Elden Ring, je sais que ça existe, nous sachons. Quoi, tout le monde sachons, en fait. Il t'a juste messagé. Bah, pourquoi tu crois que tout le monde ne sait pas qu'Elden Ring, c'est bien? Tout le monde en parle, ne fait que ça. On est de retour dans l'époque de Dark Souls, c'est bon. Oui, le jeu est certainement bien. Mais je m'en bats les peut-être couilles. Que j'y jouerai un jour. Mais cool. C'est, vraiment, je suis heureux pour vous. Mais laissez-moi tranquille. Mais à chaque fois, ça me casse de plus en plus les couilles. Sortez en fait. De chez moi. Ça fait 2 semaines que je suis en mode, ok, très bien, pas de soucis. Ça a l'air bien, les gens s'amusent. Vous devenez chiant. Vous êtes en train de devenir casse-couille. Mais c'est très bien, Elden Ring. C'est bien. Ça a l'air, bien sûr, d'être le meilleur open world de ces 18 dernières années. À part, bien sûr, Breath of the Wild. Mais voilà. J'ai juste vu, moi j'ai vu tout le monde sucer, sauf Sophia qui a dit que c'était pas ouf. Je sais pas pourquoi, enfin parce qu'apparemment elle aimait pas l'open world, comment il était fait. Mais je crois que c'est parce qu'elle aime pas From Software, ce qui je peux comprendre, genre moi je pense que je suis pas fan non plus. De comment ils font leur jeu? Bah en fait j'ai joué qu'au premier Dark Souls, il a vraiment vieilli, donc du coup à voir, faudrait que je joue au 3 apparemment, enfin c'est mon Ombrage qui me dit ça. Et peut-être que je joue à Elden Ring et ça va être une révélation, je trouve, mais bien sûr j'adore. Parce que j'aime bien moi les jeux à challenge, j'aime bien les jeux durs. Oui, c'est trop bien de te voir jouer à contrôle et de crier parce que c'est. Ouais, ça. Et puis bah, je gagne. Je suis hyper gagné. Je suis sûr que t'aimes bien ça, mais t'as pas l'air heureux. Hein, après, ça n'est arrivé que sur un boss qui était horrible. Genre, apparemment, il était reconnu comme horrible et j'avais pas les bons items. Ah ouais. Et je l'ai quand même battu. Alors, comme il est beau. Putain. C'est une meuf trans, elle n'aime pas les jeux Dark Souls. Quoi, c'est un truc de meuf trans et les Dark Souls. J'en sais rien. Il y a tellement de trucs qui sont devenus trans. Moi, j'avais vu genre. J'avais vu un truc. C'est Omori qui est vraiment un truc genre de mec trans, oui. Apparemment. Et genre, ah bon, c'était un mec trans qui disait putain, mais non, je suis pas un mec trans, que tu racontes, t'es vraiment débile. Et il s'assied à son piano, il fait genre les premières notes de Bohen My Time. Et genre, t'es en mode ok. Ce qui me fait rire, c'est que les gens ils connaissent Bohen par. Et les musiques de Bohen par Omori, alors que moi je les connais depuis 2015 juste parce que j'aime bien l'artiste. Je suis en mode pourquoi tout le monde connaît Bohen maintenant? C'est trop perturbant. Si vous aimez Dark Souls, vous aimerez les oestrogènes. Moi, c'est comme. Après, genre, parfois c'est vrai, genre, Céleste, qui aujourd'hui est vraiment vu comme un narratif trans, qui est vrai, tu vois, on peut vraiment l'interpréter comme ça, mais je trouve que la base de Céleste, c'est et je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont pas dit tout de suite que c'était un perso trans, ce que ça parle de dépression et de parcours dépressif, que tu peux lier ça, évidemment, à la transidentité, ouais. Évidemment. Parce que c'est un truc que je genre, genre d'ailleurs tout, le truc tout le fait de s'accepter pas, tout ouais. Ne parle pas d'homosexualité ou de principe LGBT, mais tout en parle parce que littéralement le sentiment de se faire rejeter c'est reconnaissant par tous et du coup en fait même quand t'essayes de pas représenter des personnes trans ou homosexuelles ou n'importe quoi dans les médias, tu vas le faire. C'est pour ça que autant de gens pensaient qu'Elsa était gay, parce qu'en fait le truc de cacher ce qu'on est etc, ça ressemble extrêmement à genre un coming out forcé, tu vois ce qui se passe dans la Reine des Neiges 1. Oui. Et du coup genre en fait tout parle, moi je trouve que genre dire « Ah mais si, c'était voulu, ça parle transidentité !» C'est débile, mais dire genre « Tout parle un peu de transidentité » parce que... En fait, tout le monde peut se reconnaître dans un message de LGBT, parce qu'en fait, c'est tout le monde peut se reconnaître dans un message de « Je n'appartiens pas à un groupe, je pense. » Pas tous, mais beaucoup de personnes peuvent se reconnaître là-dedans. Oui. Et du coup, genre... voilà. Je trouve ça dommage que ce soit censuré, ce genre de truc, parce que t'as en mode bah, « littéralement, c'est dedans. » Inconsciemment dans tous les médias qu'on consomme, juste pas montrer. Oui, parce que si moi tu vois genre moi c'est comme, enfin oui il y a des sentiments qui sont pas forcément LGBT mais qui peuvent se rapprocher, ouais. De sentiments LGBT aussi, enfin de narratifs LGBT. Ouais, genre il y a des gens, en fait les sentiments sont pas notés LGBT ou pas LGBT, tu vois, ça je veux dire. Mais effectivement il y a des récits après qui sont évidemment. Bien sûr qui sont faits pour. Genre Berserk parle d'homosexualité, c'est évident, enfin genre c'est une évidence même. Mais oui, ou la Ferris. Ah oui, ça y est. Le fait que l'évolution soit littéralement de l'énergie primordiale, je pensais que c'était clair, comme la perceuse de Simon, l'humanité de l'évolution avance de plus en plus en prenant de plus en plus de place de façon exponentielle. Est-ce qu'on est obligé de tout détruire sur notre passage à l'ennemi et littéralement un peuple sans émotion et plus vivant qui a décidé de stopper la révolution pour préserver le monde, mais quoi l'intérêt d'un monde sans vie? Bref, c'est pour Marc. Non, c'est Gurren Lagann. Je vois l'idée. Après, comme je t'ai dit, Gurren Lagann, genre en fait, je me suis rappelé que ça m'avait fait chier. Je l'ai vu, je pense, à 14 ans. 14 ou 15 ans,
Et je pense être passé à côté. Après, je pense quand même que je me fais chier. Et qu'il y a un côté surenchère, même s'il y a un beau message. Hein. C'est surtout en termes. Je trouve l'écriture un peu grossière. Mais après, c'est trigger, tu vois. Mais oui, faudrait que je le revoie peut-être avec ce genre de grille de lecture en tête. Il faut que t'aies. Ce sera probablement magnifique, je serai en mode, mais bien sûr. Réflexion stupide, 3 épisodes, enfin, ce serait peut-être incroyable, tu vois. Regarde-le avec les attentes très basses en termes de scénar. Mais le truc, c'est que j'ai regardé Promare avec des attentes très basses en termes de scénar et j'étais quand même déçu, quoi. Genre, c'est ouf. Hein. Ma copine qui voit pas le lésionisme dans les buts de Raya. Moi, quand deux meufs encore veulent se buter. Regarde Raya, faut encore finir le film, on voit. Alors, Raya, moi, quitte à vous rappeler un fait simple. Deux personnages qui veulent se tuer ou sont ouvertement antagonistes l'un envers l'autre, ça ne veut pas dire qu'ils ont de l'attirance l'un envers l'autre. Allô, Soro et Sanji, s'il vous plaît. Allô, Shizua Cela ne veut pas dire la même chose. Vraiment, ouais. ce n'est pas le même sentiment. Parfois, ça peut être lié, effectivement. Parfois, ça peut effectivement rentrer dans un narratif, mais ce n'est pas automatique. Faut que tu prennes deux ça que marche pas comme ça. Faut que tu prennes deux personnages qui ont cette dynamique-là que personne ne pourrait shipper juste pour montrer « Ah oui, c'est un bon exemple, le... » J'en ai pas. Bah voilà. Bah j'en ai, mais les gens les shippent quand même, tu vois. Ouais. Enfin si, tu vois, genre très peu de gens shippent Vegeta et Sangoku, tu vois. Oui. Il y en a, sûrement. Mais parce qu'en soi, c'est pas réciproque. Genre, Sangoku, il déteste pas Vegeta. Ouais. Ouais, parce qu'en fait, quand il y a une haine de deux personnes qui se détestent, c'est qu'ils ont genre une obsession. Ouais, une obsession. Ils ont une obsession un peu. Et du coup, je comprends pourquoi c'est autant shippé. Ça, je comprends. Mais après, c'est faux. Genre, c'est pas comme ça que ça se passe. Genre, typiquement. Bon, après, c'est précis comme exemple, mais. Les deux, là, de Durarara. Oui, Shizu. Et Izana, c'est ça? Izaya. Izana, non? Non, pas Izana, c'est le nom de la mère de Kazané, ça. Bizarre. C'est Izaya, non? Je sais plus. Shizu. Moi, quand un film est pas bien, il y a plein de trucs bien dedans. Bah, c'est bien que tu vois le positif des choses. Oui, c'est bien. Agréable. C'est mieux que de voir que le négatif des choses. Ouais. Comme moi. Oh, tu vois pas que le négatif, c'était souvent. Non, c'est vrai, en plus, moi j'adore les trucs. Tu me dis à chaque fois, je déteste tout le truc alors que j'adore plein de trucs. Mais oui. À chaque fois, je suis positif sur les films que je vois. Oui. Sauf Spider-Man. Oui. C'est la du mal. Mais c'est parce que t'aimes trop Spider-Man pour. C'est ça. T'aimes trop ton idée de Spider-Man pour laisser passer un truc que t'aimes pas par rapport à Spider-Man. Non, j'aime pas trop mon idée parce que j'aime bien d'autres œuvres. Non, mais t'es. Le Spider-Man. Oui, mais t'aimes. Mais du coup, bah oui. Du coup, t'aimes bien ces trucs-là parce qu'ils respectent ton idée des Spider-Man ou en tout cas l'idée que t'en as. Non, mais parce que j'aime des Spider-Man qui ont des idées très différentes quand même. Oui, mais Après, c'est genre. Mais c'est un traitement qui plaît. C'est ce que j'aime dans Spider-Man, tu vois. Mais je trouve qu'il y a des choses qui font partie du personnage de Spider-Man. Oui, mais fondamentalement. Vu que tout le monde, il y a beaucoup qui aiment celui de Tom Holland, ça veut dire que objectivement, t'as tort, mais que juste ta préférence des choses, tu vois. Non, pas forcément, tu vois. Je peux concevoir qu'il y a. Oui, en fait, c'est pas la première fois que les gens que ça arrive que des trucs très très aimés, bah quand tu les regardes de près, t'es en mode ouais, il y a des trucs pas ouf, enfin, je sais pas. Plein de gens qui aiment. Enfin. Le truc, c'est que j'ai pas envie d'être en mode hiérarchisant et élitiste. En mode, il y a plein de trucs, il y a plein de gens qui aiment de la merde, alors que je pense pas ça, tu vois. Mais genre, non, en mode, juste que c'est tes goûts, c'est tout. Non, mais parce que, genre, c'est pas juste, j'aime pas le Spider-Man de Tom Holland, parce que je trouve que le Spider-Man de Tom Holland, genre, il correspond pas à mon Spider-Man, je trouve qu'il ne correspond pas à ce que Spider-Man raconte. Ouais, mais ce Spider-Man, il raconte pas la même chose, c'est tout. Oui, mais alors, à ce moment-là, on discute plus, tu vois. Genre, en mode... Oui, il y a plus de... Genre, non, mais tout raconte... Oui, ok. Oui, voilà. Bah, tout fait tout, du coup. Donc, du coup, on a pas besoin d'en parler. Exactement. On s'en fout, y a pas besoin de... Exactement. Bah, c'est nul. Mais en fait, tu parles trop de Spider-Man, du coup. Non, j'en parle pas trop, j'en parle une fois tous les 3 mois. Et dès que j'en parle, tout le monde est en mode « Oh, arrête, nique ta mère, t'es tellement chiant, j'ose dire que j'aime pas un film que vous aimez, je suis l'homme le plus chiant du monde. Oh, » pauvre, en boubou. Incroyable, hein. Incroyable. Oh, boubou. La meuf est en sueur, hein, parce que je dis que Spider-Man est pas ouf, elle me dit « Boubou ». J'aime pas ce film. Bah alors pourquoi tu me gâches les couilles? Parce que tu casses les couilles, tout le monde. J'aime pas ce film, mais je dis rien. Quand je vois des extraits de moments gênants qu'il y a entre les 3 Spider-Man, là j'ai envie de cringe, mais je dis rien. Parce que les gens sont contents. Genre, c'est pas grave. Salut Stan. Salut Stan. J'en reviens à 10 Shang-Chi qui a le merde. Ma réaction, c'est pourquoi je parle de film. Je peux être que blessé. J'aime beaucoup Shang-Chi. Après, rentrer dans une pièce et dire Shang-Chi qui a le merde, je trouve ça stylé. Mais c'est pas nécessaire, tu vois. Moi, je trouve le truc correct. Mais moi, je trouve que c'est un truc récent Marvel. Je trouve très chouette, personnellement, mais ça, c'est moi.
que voir des héros asiatiques, ça fait toujours plaisir. Truc qui peut intéresser tout le monde, la créatrice de Céleste s'est exprimée sur son choix de faire une personnage trans au cours de route. En cours de route, et l'explication basique, c'est tout simplement parce que la créatrice elle-même a fait sa transition en cours de développement par le personnage. Ah, c'est chouette ça. Pendant le truc, c'est mignon. Bah, d'où le côté parcours trans et parcours de dépressif. Ouais. Céleste. De dépressif. Ce qui, deux d'ailleurs, c'est, les deux sont très bien écrits. Oui. Parce que c'est le même. Oui, je suis valide. Je suis valide, Arcade, je déteste Arcade Spider-Man. Arcade est une femme trans, on le rappelle. Je déteste le Spider-Man de Tom Holland parce qu'il trahit tout ce qui est beau dans Spider-Man. Allô? Vas-y, exprime-toi. Vas-y, Arcane. Oh, c'est bon, j'ai fini. Oh, mais non. Tu l'as pas beaucoup aimé Eternals, entre autres parce que ça casse, ça casse le moule Marvel. J'ai trouvé ça chiant comme sympa, sympa, Eternals, mais un peu chiant. Je me suis endormi littéralement, mais c'est pas la faute du film, j'étais vraiment fatigué. Un peu chiant. Mais des images très belles. Et Sardoche. Ce qui est sympa dans un... Sardoche dans le MCU. Sardoche. Incroyable. Ce qui est rare dans un film Marvel. Sardoche. Déjà Sardoche, et puis ensuite des belles images. En plus, des belles images avec Sardoche. Incroyable. mais voilà, mais sinon, bon, un peu Osef. Osef. Daisy Spider-Girl. Quoi? Daisy Spider-Girl pour la Daisy Fresque. Oh! Spider-Man. Après, moi, tu vois, genre, en mode, je fais le bandeur de Spider-Man, mais moi, j'ai pas beaucoup de lu de comics, hein. J'ai lu, genre, les tout premiers, parce que mon père avait des intégrales. Genre, il a l'intégrale de la première année de Spider-Man, et de la deuxième, je crois. Donc, je connais pas l'univers comique de Spider-Man, genre, tous les trucs très connus, genre, les différentes sagas, les trucs avec les vampires, là, qui semblent, je suppose, que Spider-Verse oui, part là-dedans. Oui, Kiwi, encore là, je sais pas si t'avais déjà vu la Daisy Fresque ou pas. Parce que je sais que Kiwi est une fervente adoratrice de Daisy comme moi. Ah. Et du coup, une personne de goût, bien sûr. Il y a Feldop dans The Batman aussi. Ah oui, parce qu'il y a Paul Dano. Il y a un mec qui ressemble à Feldop, c'est trop drôle. Paul Dano, il ressemble vraiment beaucoup à Feldop, c'est vrai. Je sais pas quoi ressemble Feldop, perso. C'est qui a demandé à Spider... Lucidox. C'est vrai, hein, ça me... c'est incroyable. Attends, il me faut Feldop. Ouais, y'a un truc, hein, y'a un truc. Y'a un truc, ouais. C'est ouf! Faut que je le voie, le Batman, je l'ai pas encore vu. En plus, je suis sûr qu'en vrai, je vais bien aimer. Donc il faut que je le voie. Vous venez à la marche pour la 6ème République depuis la Belgique, MDR, lol, péter des barres. En vrai, moi j'y vais parce que je suis un sosdem nul des fois. Mais non, mais vas-y, je t'en prie. Fais campagne avec la FI, hein, vraiment. Moi je soutiens la FI sur cette élection. C'est quoi, donc, la FI? C'est la France Insoumise. C'est Méluche. Ce sacré Méluche. Mais non, je ne vais pas y aller. Parce que je pense que globalement, même si j'étais sur Paris, j'y serais pas allé parce que je sais pas, j'y ai pas envie. La flemme. Ouais, voilà. Et Tu n'aimes pas ton pays, Arcane? Je regrette, je déteste ce pays. J'en profite pour étaler ma main sur tous les gens qui font la Zumba. Étaler qui font une Zumba et qui balancent 10 ans après que Garfield est le meilleur Spider-Man. Garfield, j'ai pensé au chat. Vous étiez où quand la trilogie The Amazing Spider-Man a annulé? Ah oui, Garfield, ok, oui, oui. J'ai pensé à Ocha, moi. J'ai vraiment pensé. J'étais en mode, quoi? De quoi on parle? De quelle œuvre? Quand? Où? Trilogie The Amazing Spider-Man est annulée, bande d'hypocrite. Bah après, c'est surtout parce qu'il y a la nostalgie, parce qu'en c'est soi... C'est surtout parce que les gens veulent le baiser. Déjà, et puis en vrai, surtout qu'en fait, les gens se rendent compte que bah il y avait des choses intéressantes à faire avec cette histoire, même s'ils sont très imparfaits, les films de Garfield. En fait, les, genre les, le premier, en il est plus, pas ouf, actuels. Le deuxième... Tout le monde est d'accord pour dire que le premier est mieux que le 2, alors je trouve le 2 vraiment est bien mieux meilleur. Que le premier. J'ai aussi pensé au chat Garfield Shoes, les chaussures de Garfield. Les chaussures de Garfield, Jean-Luc. Mais effectivement, c'est dommage. Après, genre, la direction dont il partait... En fait, moi, je dois vous avouer un truc, ça m'a jamais donné envie les Sinister Six dans un film Spider-Man. Parce que ça fait si méchant. C'est beaucoup. C'est ce que fait le dernier film, d'ailleurs. Mm-hmm. Et en vrai, il s'en sort pas trop mal. Oui, hein, franchement. Sur comment il gère, parce qu'au final il met le bouffon vert au-dessus de tout ça. Mais genre, moi j'aime, je sais pas, mais j'aime bien le côté, j'aime bien que dans un film de super-héros, ouais, ce soit vraiment, il est genre, c'est soit il y a le méchant du film, tu vois. Ouais. Et ce méchant là, genre il vient des comics et il est twisté d'une manière que ça rend logique qu'il soit là et qu'il lui explore les thèmes. Globalement, moi j'aime, je suis bandeur de ce genre de ça, tu vois. J'aime bien ce côté. Ah, dans ce film, ça va être le vautour, tu vois. Il était bien le vautour de Homecoming. Ouais, c'était le meilleur élément de Homecoming. Mais voilà. Attends, il est beau. Mon bébé. Mes oreilles, pitié. De quoi est-ce que tu parles? Est-ce que tu parles de la musique alors qu'elle est incroyable? Regarde-le, il est beau. Oui. Il est soyeux. Je l'aime.
Bah en vrai c'est ça dans le Batman. Bah oui moi je suis chaud. Alors je crois que Sean n'est pas le méchant de base, donc on va pas spoiler. Donc enfin, j'ai vu les bandes annonces, mais apparemment il y en a un autre. Donc chut. Juste à parler super fort dans le micro. Et bah parce que c'était nécessaire. Je suis très heureuse. Regarde, je suis heureuse, regarde, c'est mon fils. Je l'ai élevé. Je l'ai créé. Je l'ai allongé. Il a toujours été long, hein. C'est comme ça que je l'ai créé. Hein. Et donc du coup, moi, ça me chauffe pas, en fait. Genre, le Amazing Spider-Man 3, ça partait d'un côté en mode 6 méchants en même temps. Et genre, c'était déjà l'erreur de Spider-Man 3 de Raimi, de faire trop de méchants en même temps. Oui. Donc... Ça, il y en a plein. Je sais pas pourquoi ils font ça, en fait. Bah après, c'est parce que c'est Marvel, ils veulent faire des services. Mais... Non, mais pourquoi ils veulent à chaque fois aller? Parce que The Amazing Spider-Man, c'était pas Marvel, tu vois. Mais voilà, et donc, ouais. The Amazing Spider-Man 2, moi, je l'avais bien aimé, hein. Oui, très bien. Je trouve les gens le critiquent. Moi, j'étais déjà en mode, bah ouais, Gwen par Emma Stone, elle est vraiment très très bonne. Le premier était effectivement pas ouf, même si je l'avais aussi bien aimé au cinéma. Bon, à l'époque, je kiffais les deux, hein, c'était ma vie. Ouais, voilà. Mais quand je le revois, je vois ses défauts, quoi, globalement. Mais en fait, il y a des trucs à sauver, quoi. Ouais. Il y a des idées, il y a un peu de cœur. En mode, voilà, le personnage de Connors, il est plutôt cool. Et puis, en soi, moi, je trouve que... Bon, Electro dans le 2 est pas excellent. Mais il y a des choses. Je sais pas pourquoi, dans le 2, tout le monde avait pété un câble sur le fait qu'il lui donnait pas son sang. Ouais, pourquoi? Parce que les gens étaient en mode, c'est pas logique, c'est un horrible ami, machin. Bah, alors que je sais pas, genre, bah non, je vois l'idée, mais je trouve... Bah justement, ils lui disent pourquoi il donne pas son sang, parce que c'est dangereux, parce qu'il pourrait crever. Oui. Bah pourquoi il serait un horrible ami? Si littéralement ma famille, ma soeur ou moi, si moi on disait tu peux donner ton sang Arcade, mais il y a une chance qu'il survive, mais il y a une chance qu'il crève. En mode, genre, ils étaient en mode, bah on ne sait pas ce que ça va te faire si je te donne mon sang. Mm. Ils ont, bah vous savez qu'à étudier ce que ça va faire. Et voilà. Et après, je crois qu'il y a aussi un dos où. Bah je sais pas, peut-être que Peter Parker il veut pas que les gens sachent qu'il est un sang bizarre, quoi, globalement. Ouais, qu'il est un sang bizarre. Non, parce qu'en plus, c'est pas lui. En gros, c'est Spider-Man qui a pris, mais donc du coup, il serait découvert. Je me souviens plus, j'avoue. Amazing Spider-Man, je me rappelle, ça a été mon film préféré pendant toute mon adolescence. Eh ben, Moi, c'est ceux qui sont sortis quand j'étais petite, du coup, personnellement, j'ai pas vraiment de regard objectif dessus, j'ai trouvé juste chouette. Parce que, surtout que je retiens du. Amazing Spider-Man, c'est le commentaire du mec qui dit qu'il aime beaucoup l'électro du film, même s'il déteste les personnages de couleur. Qui a dit ça? Je sais pas, un mec, commentaire du mec. C'est trop drôle, quel connard. J'aime pas les personnes de couleur, mais non, c'est non, mais l'électro du film, très bien. Est-ce qu'il disait ça parce que c'est... C'est quoi son nom, merde? Merde? L'acteur? Jamie Foxx? Oui. Ou parce qu'il devient bleu? Du coup, il est de couleur, hein. À la fin, genre vraiment. Je sais pas pourquoi les gens étaient aussi fous sur le design de... Electro. Sur le redesign ou sur le design? Comment ça? Sur le design d'Electro de Amazing Spider-Man. Bah il était bien. Il était bleu. Non mais les gens étaient en mode c'est de la merde. Ah bon? Alors que je le trouvais cool, quoi. Genre j'entends le côté, bon on dirait quand même un peu un clochard avec... Bah oui. Il a juste un sweat à un moment et il est bleu et tout. Et c'est pas le meilleur effet, genre c'est pas la DA la plus incroyable. C'est pas le plus beau caractère design du monde, mais... Bah il est correct. Je sais pas, je trouve que c'est un bon spin sur le... Je trouve ça mieux que le putain de truc costume de comics, quoi. Mais... Ouais voilà, costume de comics c'est bien. Et c'est pas mal ce qu'ils ont fait dans... Le dernier Spider-Man, par exemple. Oui, ils ont genre, il est plutôt cool, le redesign, mais il est juste, il a pas lieu d'être. Ouais. Genre, il devrait pas exister. Pourquoi il y a un redesign, en fait? Ça n'a aucun sens qu'il change d'apparence, à part parce que les fans n'avaient pas aimé. Ouais. C'était sur le fanservice, ouais. Bref. J'ai vu la scène de Stan Lee dans Amazing Spider-Man, elle est formidable. Dans le premier, là? Oui, elle est incroyable. Incroyable. Non, de toute façon, la meilleure trilogie, c'est Sam Raimi. Voilà, c'est tout. Voilà. Meilleure trilogie. Oui. Le 3 aussi. Oui. Le 3 est incroyable, mais en tant que YouTube, poupe, pas en tant que film. Bah après, c'est la seule trilogie, hein. Enfin non, il y en a une deuxième, du coup, mais je t'avoue que je la trouve bien meilleure. Celle de Sam Raimi que la trilogie de Watts. Ouais. L'acteur aussi, à l'époque, avait pas aimé la peau blanche, la peau bleue. C'était pas agréable non plus à porter. Bah, je comprends, tu vois. Après, c'est genre... c'est un acteur, quoi, Bon, c'est Jamie Foxx, mais c'est ce qu'il veut. Mais genre, enfin...
Genre, est-ce qu'il est juste, genre, est-ce que les trucs de Marvel voulaient faire la même chose, et puis il a dit non, non, moi je veux plus. C'est comme le c'est l'homme sable qui est pas revenu. Ouais, Sean Q. Est-ce qu'il, c'est parce qu'il est mort? Non, il est pas mort, je pense, l'acteur, si. Ou est-ce qu'il a juste pas voulu? Spider-Man 3 de Rémi Sous-Côté. Alors, je sais pas s'il est sous-côté. Il est incroyablement nul, mais dans la meilleure de manière, c'est un. Après, genre, en fait, les gens, parce qu'il est très corny, ils oublient un peu quand même. Bah, les vrais défauts. Ouais, des trucs très beaux dans le film et très forts. Et même, ce qui est fort avec Sam Raimi, c'est qu'il a réussi à faire des trucs beaux et forts avec des trucs qu'on l'avait forcé. Mais le l'homme sable, là. Genre, en vrai, les thèmes. Les thèmes de l'homme sable. Les thèmes que soulève Venom sont réels. Ouais. Dans le film, genre, vraiment, ils sont bien intégrés. Ouais. Et tout, ils sont cool. Quand il a prié, là. Alors qu'il est là à 15 minutes à la fin, Venom. Je sais pas quoi, le symbole de genre comme le thème du 3, c'est quand même surtout la question d'ego. D'ego et de savoir s'en relâcher, de pas se perdre dedans. Et que du coup, Peter Parker, il est son propre ennemi dans le film. Et donc du coup, en fait, limite, l'homme sable devient moins intéressant que Venom. C'est juste que Venom est moins bien traité. Donc, voilà, l'homme sable, il me donne envie de pleurer. Toutes ses répliques me donnent envie de pleurer. Son jeu me donne envie de pleurer. C'est son visage me donne envie de pleurer. C'est trop sympa. Genre tout. Qui, l'homme sable? Ah oui. Oui. Mais... Les produits dérivés, le Blu-ray collector autour de l'électron, c'est galerie des horreurs, c'est incroyable. Ouais, hein. Il pouvait pas venir à cause du Covid. Mais il était pas malade. Mais il prête quand même sa voix. Ah, il pouvait pas venir. Ah, il pouvait pas venir. Ouais, c'est plus, ça va, alors c'est plus... Excuse-moi. Il a pas dit non. C'est pas lui qui bute l'oncle Ben. Si, c'est ça. Ce qui est pas c'est un twist que je trouve ouf. J'avoue, c'est pas le truc. Mais après, bon... C'est quoi encore sa réplique? J'aime beaucoup le... Je suis pas une mauvaise personne, j'ai juste pas de chance, un truc comme ça. Oui, c'est ça. J'aime beaucoup cette réplique. Parce que vraiment, c'est vrai, il est juste pas du de coup, chance. Ça fait quand même une scène très belle à la fin où Peter Parker le regarde et lui dit. Il le pardonne. Je te pardonne en fait, c'est beau. C'est beau. Tu vois, c'est beau. Le pardon, c'est une belle. Allô, je. Genre, c'est beau parce que du coup, ça veut dire. Mais ouais, c'est vrai que en vrai, genre, même si le film est pas ouf, tout le truc de Peter Parker qui est vraiment est aveuglé par la colère et tout ça, c'est un ouais, peu. Genre, l'arc de Peter Parker, il y a des scènes qui sont lunaires, tu vois. Mais l'arc de Peter Parker, bah je sais pas, il est intéressant. En plus, on a des trucs incroyables comme... Alors, elle est bonne, ma tarte. Délicieuse. Délicieuse. Tu vas le prendre ton pied, enfin ce genre de... Tu vas le prendre ton pied, quoi. En plus, la VF est folle. La VF est folle. La voix de... Il parle vraiment comme ça. Alors Tu vas chialer. Tu vas chialer. Ah, Naruto, c'est vraiment Naruto. Soy boy quoi, soy boy. Comment vous pouvez aimer Naruto et ne pas aimer Spider-Man 3? Donc, ça raconte la même chose. Ouais. Et oui. Du coup, ça veut dire, on a jamais eu un bon Venom à l'écran, c'est quand même triste. Oui. Et on était à ça parce que Sam Raimi, je suis sûr. Enfin, le truc c'est qu'il voulait pas faire un Venom. Du coup, il l'a un peu genre, et puis surtout, il l'a mis, genre, on l'a forcé à le mettre dans un film où il veut pas le mettre. Mais genre, imaginez un Sam Raimi qui aurait voulu mettre un Venom, ça aurait été incroyable. Quand l'oncle Ben a tué le père de Naruto, là, c'est terrible. J'ai vu il y a longtemps, donc je peux pas dire que c'est un des meilleurs souvenirs qu'il ne l'est en réalité. Spider-Man 3 ? Bah ouais, en tout cas, oui, enfin... Après, c'est aussi nostalgie, hein. Genre, si ça se trouve, je le vois aujourd'hui, si je le découvrais aujourd'hui, Spider-Man 3... Oui. Non, nous on le revoit. Ça n'aurait pas la même saveur. On le revoit, c'est une usine à même, mais du coup on peut pas vraiment le prendre au sérieux. Parce qu'aussi, la trilogie de Sam Raimi, elle est datée, tu vois, globalement. Elle sort aujourd'hui, elle serait plus du tout. Ouais. Ah oui, elle est bien placée dans son temps, quoi. Mais elle était incroyable, tu vois. Enfin, Spider-Man 2, il reste quand même. En vrai, c'est comme genre. Tu vois, genre Penty Stocking, ça a mal vieilli, hein. En plus, il y a du full racisme dedans, alors bref. Aujourd'hui, ça correspond pas à mon idée de Spider-Man. Mais je trouve quand même que genre, j'ai autant aimé le jeu Spider-Man que Sam Raimi, tu vois. J'ai de l'affection pour Amazing Spider-Man et Spider-Verse, incroyable, quoi. Ouais. Alors c'est quand même genre, c'est quand même des versions différentes de Spider-Man, tu vois. Mais je trouve qu'elles répondent toutes à un cœur de Spider-Man qui, je trouve, fait l'essence du personnage et sa beauté, quoi. Ouais, après, genre, il y a des gens juste qui voient pas Spider-Man comme ça, tu vois. Surtout les nouveaux fans du MCU qui s'en foutent un peu. En plus, franchement, le jeu Spider-Man. Ouais, très cool. Vraiment cool. Il y a des petites faiblesses parfois, mais vraiment, sur le traitement de Peter Parker, je le trouve vraiment cool. Hein. Parce que c'est un Peter Parker plus adulte. Ouais. Genre, qui est plus. T'aimes pas le Peter Parker ado? Ah, mais si, c'est pas si. J'aime bien le Peter Parker ado, vraiment. Le truc, c'est qu'il est pas traité comme un ado, il n'a pas des problèmes d'ado. C'est vrai. C'est vrai que c'est pas très bien.
Mais ça, en fait, ça me rend triste parce que Kiri les adore. Ouais, et enfin, c'est vraiment quand même qu'ils ont tous dit que c'était un teen movie parce qu'ils citent visuellement. Oui, ça, c'est pas. Ça, parce ça, qu'ils citent visuellement Ferris Bueller. C'est ce que je déteste le plus. Ils font une scène de Ferris Bueller qui est un de mes films préférés. Ils font une scène de Ferris Bueller et ils mettent. Regardez, on a fait un truc avec Ferris Bueller parce qu'on met la scène de Ferris Bueller derrière quand il y a une imitation de la scène de Ferris Bueller. Je suis en mode. Putain, merci la subtilité, les gars. Vraiment, vraiment, vous êtes des. Toi, je t'énerve, je suis Spider-Man, je suis heureux. Il suffit que je ramène Ferris Bueller. Ouais, j'adore Ferris Bueller, c'est trop bien. J'adore Ferris Bueller. J'ai découvert très tard en plus. Pas du tout un film de mon enfance ni rien du coup. Ah, attendez, mon chat, il faut que je l'actualise. Non ? Non, vous parlez juste plus. Le pire, c'est que je pense que Kerry, en mode j'aime bien l'ambiance Team Movie, mais je pense qu'elle aime pas les Team Movie. Elle, je sais pas si elle a vu Breakfast Club, je crois pas qu'elle aimerait, tu vois. Tu veux dire qu'elle aime juste le code. Elle aime juste, elle est juste amoureuse de Tom Holland, c'est comme beaucoup de gens, c'est pas grave. Parce que c'est pas un Team Movie, Spider-Man. De Tom Holland, le premier en tout cas. Le deuxième non plus, mais ils arrêtent d'essayer de faire croire que c'en est un. C'est qui ? Ferris Bueller ? C'est un film. C'est un film de John Hughes qui est très connu pour avoir été en gros le grand ponte des teen movies dans les années 80. Il a fait notamment une trilogie très très connue. Alors, dans le premier. Oh oui, putain, on a vu. Ou alors c'est le dernier justement, je me souviens plus. Je sais plus. Et Sage Bousy pour Sam, qui est un peu une purge. Ah, c'est nul, hein, c'est vraiment après, nul. Hein. Peut-être en replacer dans son contexte. Putain, culture du viol, racisme. Il a fait Ferris Bueller que Carthaz adore. Moi, je l'ai moins aimé, mais je reconnais ses qualités, on va dire. Et Breakfast Club, qui est une masterclass. Globalement, et donc voilà, c'est les. Il y a aussi ses défauts des années 80 en mode un peu de sexisme, un peu par-ci par-là, mais sinon ça va. Mais ça parle, enfin, pour un film qui parle de cette jeunesse de lycée, de cette jeunesse américaine un peu lambda, blanche, tout ça, c'est très profond quoi. Donc voilà, et donc il est très connu pour ça, et en fait, Spider-Man 1, 2, enfin, Homecoming du coup. Qui essayait de se vendre comme un teen movie, parce que bah, du coup on suivait un Spider-Man au lycée, découvert, plus jeune, avec des problématiques censées être plus juvéniles, plus proches des amis, voilà. Cite visuellement une scène de Ferris Bueller. La scène la plus iconique. La scène la plus iconique, où il traverse les jardins. Mais non seulement il fait ça, et en plus il le met dans une télé. Dans un jardin c'était... Qui regarde la télé dans son jardin ? Si c'était pas assez clair. Qui regarde la télé dans son jardin ? Alors, franchement. Dites-vous qu'il y a tellement peu. Alors que franchement, référencer visuellement cette scène, c'est pas très compliqué. Ouais. Oui, ils l'ont très bien fait. Il y avait juste pas à rajouter ce truc-là, tu vois. Mais dites-vous que vraiment le film est tellement pauvre en termes de réalisation qu'il arrive même pas à faire une vraie proposition où. T'es en mode ah oui je vois l'hommage visuel évidemment genre moi je regardais le film genre j'ai pas la rêve de Ferris Bueller et même si j'avais la rêve de Ferris Bueller je l'aurais peut-être pas capté tu vois mais où tu vois que c'est une reprise. Merci Judon, vous connaissez l'argent, voilà, regardez les trucs. Ah oui, c'est vrai que du coup vous donnez pas parce que c'est pas un don en dessin, personne ne donne. Bah merci beaucoup Don pour ce petit don, ça fait plaisir. Bah oui, n'hésitez pas à donner même s'il n'y a pas un don en dessin si vous voulez me soutenir, surtout que là vous me soutiendrez juste pour dessiner ce que j'aime, c'est-à-dire enfin ce que j'aime, ce que j'ai créé moi, mes OC et tout du coup. Mais déjà merci beaucoup d'être genre 30. En fait les lives où ça fait pas un don en dessin, les gens sont très intéressés, surtout s'ils peuvent tirer quelque chose de mes lives du coup. Bon, je comprends mais bon, ça fait quand même plaisir d'être juste là pour moi. Ouais. Du coup, quand même soutenez quoi. C'est bien, non ? Je regarde comment on les fait culpabiliser, on est vraiment. Mais vous êtes des merdes. Tenez, en fait, vous n'offrez aucun abonnement. Non, pas vous êtes des merdes, on est des merdes. Nous ? Non, on est excellent. On est excellent. Ouais, non, j'avoue, oui, c'est nul. C'est nul. Le film est moins bien réalisé qu'un épisode de Noob. Il est aussi bien réalisé qu'un épisode de Noob, mais avec genre des millions de budget. Et une équipe de prod qui sait ce qu'elle fait. Noob, c'était bien quand même. Parce que quand même, au niveau FX. Enfin, Marvel, ils ont des gens qui savent faire des FX, des gens qui savent faire des décors, des gens qui savent faire des machins. Et le seul truc, c'est que John Watts, c'est un. Enfin, je sais pas, ça fait 3 films. Moi, je veux bien qu'il ait fait peut-être des trucs meilleurs avant. Mais je soutiens, je suis toujours là, j'aurais été payé en fait. Flo devrait être payé. Payer cette personne. C'est vrai, de ouf. En plus, elle est modo. Hein. Mm-hmm. Il y a eu un débat sur Twitch. Est-ce qu'on devrait. Payer les modos. Il y a eu un débat ? Bon, il y a un débat qui existe. Incroyable. Parce que, bah, après, genre. À un chat à 30 personnes, ça va, tu vois. Genre, mode modéré n'est pas non plus. Ouais. Mais en fait, il y a un moment où, genre, un stream d'un très gros streamer à 15 000 personnes, modéré, avoir une team de modo, c'est genre un vrai boulot, tu vois. Genre, ça demande vraiment beaucoup de temps. Donc voilà.
Demain je stream si jamais si vous voulez donner votre argent. Oui, allez soutenir Flo. Tu stream après script? Ou pendant script? Parce que Flo, il va falloir être un peu sincère. Demain script c'est fini. Oui. Enfin celui-là, évidemment. Non, script à jamais, scripts, hein. Toujours. Non, sera fini, à moins que... Comme... Alors je sais pas quand est-ce sortira le prochain, mais... 21h, ah oui ça va. Parce que script... Imaginez quand même, pour moi... Imaginez moi, fin 2019... Non, fin 2018, qui a l'idée de faire le script, quoi. Celui-là. Mm-hmm. Regarde, il se floute. Et me disant que ce serait impossible. Il se floute tout doucement. Oh, c'est beau. J'essaie de voir si je peux faire un fond bullshit, parce que c'est mes dessins, je m'en fous. Quand c'est pour moi, je suis en mode, je me permets de faire de la merde et de mettre des faux fonds. Oh oui, ça non, mais fais-toi plaisir. C'est un verre, là, qui rentre pas très bien. J'aimerais bien, genre, je cherchais genre atelier de dessin. C'est un arc, le bordel. Ah non, mais c'est littéralement un arc, hein. Frérot, il a fait le combat de Flamingo versus le film IRL. C'est ça, ça a pris 3 ans. Pour moi, c'est un arc, c'est un chapitre de ma vie qui se termine. Un chapitre de ma vie se termine demain. Bon, vous allez partager, hein, bande de fils de pute. Parce que là, si j'ai pas les 10 000 abonnés... C'est l'arcade, exactement. Et on démarrera l'arc d'après. Qui sera donc celui du prochain script, qui durera probablement aussi un an et quelques. Hein. Au moins, je pense. Ça va être quoi, là. Mais je ferai d'autres réflexions stupides avant, j'ai des idées. La joie du pauvre, c'est vraiment ça. Sinon j'ai le droit de faire la conduite supervisée avec ma daronne maintenant, je suis libre, je peux conduire partout en France. Ce qui est con, je voulais que le premier truc que je fais soit d'aller à Lannemure pour zéro raison, histoire de sortir de France, mais j'ai pas le droit. Qui a dit ça? Don. Conduite supervisée avec ma daronne, je suis libre, je peux conduire partout en France. Parce que t'as pas l'âge d'avoir... Enfin, bah si, t'as l'âge. Parce que t'as pas le permis, t'es pas allé passer le permis classique. DLC, c'est fini ou c'est devenu la réflexion stupide? C'est devenu la réflexion stupide. Globalement, en soi, ce que je pourrais faire dans un DLC, je peux le faire dans une réflexion stupide. Donc oui, c'est fini. En soi, tu peux le voir, hein, globalement. Enfin, je pourrais pas faire... Si vraiment j'ai une idée en mode à la Sonic Mania, où je me dis en mode j'ai envie de faire un AMV... Parce que pour moi, c'est pertinent d'en faire un. Peut-être que je ferai un DLC, ou alors, du coup, je le ferai une réflexion stupide. Genre, c'est en fait, donner un nom à d'autres contenus qui n'ont rien à voir avec ce que tu fais, c'est ne pas transformer ta chaîne en truc de shitpost, mais en même temps, pouvoir faire du shitpost. Ouais, voilà. C'est comme moi qui poste, genre, des mashups et tout ça, et je crée pas des formats, tu vois. Ouais, je poste comme ça, mais tu veux pas faire ça, tu veux un truc rangé. Non, rangé, mais surtout, je vais ranger, mais dans des... Dans des catégories qui vont bien, genre je sais pas, les réflexions stupides ça évolue globalement, mais à voir. Putain, 2-3 heures, je suis en Belgique ou en Luxembourg, c'est pas juste. J'ai pas le permis, du coup c'est valide c'est en France. C'est pas loin la Belgique en vrai. Oui, mais pourquoi tu peux pas le passer, le permis du coup? Parce qu'une fois que t'as la conduite supervisée, c'est à dire que globalement le permis tu l'as facile. Je sais pas si ça fait que t'as le code. Mettre sur le tabouret. Hop. Oh, vous avez entendu? De quoi? Ah oui, les nouveaux OST de... Ouais. La nouvelle d'Hideki Daganuma? Il y en a deux? Il y en a une qui vient d'un autre trailer qui est incroyable. Mais du coup, on n'a qu'une version petite. Et puis Jack Dafunk, là, qui est cool. T'as dit quoi? T'as dit petite? Oui, elle a une version petite. C'est trop mignon. Version petite. Mais Jack Dafunk, cool, hein. Après, en fait, c'est l'autre qui me sauce. J'avoue, j'aime bien Jack Dafunk, mais l'autre, là... Oui, c'est qu'on a écouté. Gaden 9. T'as dit, ok, je suis vendu. Elle est, okay, vraiment, elle est incroyable. On l'a écouté pour la fois, il a dit, je l'ai vu, genre, il a fait son petit fils de pute où il fait plein de bruit, puis ensuite, tout. Ouais. Il met juste, genre, la mélodie la plus incroyable que t'aies jamais entendue. Ça y est. Alors, putain, les gars, quoi. Mais du coup, ce qu'on n'a pas compris, on est bien d'accord que Bomb Rush Cyberpunk, Hideki Naganuma fait quasiment toute la BO. Genre, comme Jet Set Radio. Ouais. Genre, il y a d'autres artistes, parce que sur Jet Set Radio, il y avait aussi d'autres artistes. Mais genre, c'est lui le principal, quoi. Mm-hmm. Il est pas juste là, parce que Ombrage, j'avais la peur qu'il soit là, que, comme dans Lethal League, il fasse qu'une musique. Mais là, il y en a déjà deux, de confirmer. Donc oui, il est là pour rester, quoi. Il est là en mode, je fais la BO, en fait. Hideki qui fait autre chose qu'être le mec le moins drôle sur Twitter.com. Arrête, moi, je le trouve marrant sur Twitter, Hideki Naganuma. Il est drôle. T'aimes pas l'humour shitpost? Comment tu peux aimer Chrono Music et pas aimer Hideki Naganuma? Je comprends pas. Alors que les deux sont
exactement la même chose. Il est un peu plus coomer. Coomer. Que des Kinagan. Genre il est très horny. Il est vraiment très horny. Ah oui. Oui. Et les gens voient toujours des photos d'eux et tout ça. C'est rigolo. Ah ok, ça c'est sur le haut, j'étais en mode, où est l'évolution? Je mets genre des filtres, du bullshit sur une photo que j'ai trouvée sur internet. Bah du coup, je vous préviens, ne faites pas ça si vous commercialisez ce que vous faites, ça c'est juste parce que c'est pour moi. Hein. D'ailleurs la photo, je sais pas à qui elle est, mais faudrait que je le crédite. Lille, Reims, Amiens, Arras, tout le nord de la France est porté de paiement de frais d'essence. J'ai arrêté de le suivre, Hideki et Keono, je sais pas qui c'est Keono, mais j'avais 10 000 tweets sur mon fil, je m'en pouvais plus. Mais moi c'était pareil avec Chronomusique et Renard. Maintenant, je ne suis que Renard, parce que c'est celui que je suis à la base. Mais Chronomusique, je ne le suis pas, parce que si j'ai les deux, ou imaginez les gens qui ont les trois avec Pendrez, je n'avais constamment que eux. Et c'était trop chiant. Maintenant, j'en ai qu'un. Comme ça. De toute façon, ils retweetent toujours ce que disent l'autre. Donc ça va. C'est vrai, c'est très drôle. Ah oui, Chrono. Oui, voilà, c'est des céréales Twitter, quoi. Je pense à une boîte de céréales. Avec... Bah moi j'ai Renard et Chrono, et comme Renard tweet moins que Chronomusique, finalement c'est mieux. Et il retweet que les choses les plus drôles de Chronomusique, donc ça va. On a vu Naganuma et Chronomusique dans la même pièce, je crois pas. Bah pff, les deux font de la musique. Les deux sont des shitposters. Les deux sont asiatiques. Les deux sont asiatiques. Il y a du drop sur le stream ou c'est que moi? Du quoi? Il y a du drop sur le stream? Je pense que c'est possible que ce soit genre à cause de moi. Mon logiciel, hein, parce que je sais de parce que je mets des filtres. Ah, il faut que j'arrête. Je pense que ton truc. Mais là, mon PC est en train de mourir. Il y a des gros drops qui sont constamment ou ça va? J'arrête. Bon, j'arrête les filtres, promis. Mais pourquoi ça attaquerait ton? Je sais pas. Allez, un petit flou gaussien. Oh, putain. Le truc, c'est que le truc est trop gros. Regarde, il fait 3000 sur 5000. Pourquoi tu le réduis pas? Je pourrais, ouais. Pour avoir une belle image après. Fichier. Pourquoi tu n'arrêtes pas de faire des tests sur ton fond? Parce que je veux en faire plein, parce que j'aime bien. Salut Enaifo62, salut, vous faites souvent des streams dessins? Oui, Carthas, c'est le principal. C'est, oui. Elle fait quasiment que ça. Non, elle fait d'autres trucs quand même, tu peux faire du gaming, de l'ASMR. Je fais très peu de gaming, mais je fais surtout en plus de l'ASMR du karaoké, mais je fais surtout du dessin. ASMR. J'ai du F5 pour reset le décalage que ça crée. Ah ouais? Arcade, arrête de télécharger 4 TO de porn de Metaton. Non, c'est je moi. Je ne peux pas. C'est à cause de la taille de mon fichier. Voilà, c'est mieux et c'est pas beaucoup moins bien en vrai. En c'est d'ailleurs ce qu'est la troisième partie de script. C'est 4 Tera de porn de Metaton. Voilà, ça va beaucoup plus vite. C'est mieux. Y a pas de réflexion. 4 Tera de porn de Metaton. Dans mon fameux disque dur à 4 Tera. Dans lequel j'ai écrit porn. J'espère que ce soit clair. Joli Kigyo. Bravo. Merci. Bravo, putain, 1h40 quand même, j'ai dit que je streamais pas longtemps. Je vais arrêter à 2h, moi dans 20 minutes on arrête. Hein. Je fais souvent des lives de 2h quand genre je fais des lives plutôt chill. D'accord. Le meilleur poisson de la ville 2 semaines en avance, ce serait incroyable. Hein. On va lancer un autre sujet là, c'est perdu. On était sur Spider-Man. Trouvez autre chose. Faites-moi parler d'un truc pendant 20 minutes, puis ensuite comme ça je me barre. Waouh. Je vais chercher de l'eau. Je veux 500 messages. Salut Wolfshard. T'as un message, je réponds à tout le monde. On a plein de questions comme ça dès qu'il revient. Ça attaque. Là, c'est chaud quoi. Oh, yeah. Wow, merci du don. Il y a l'épisode du dessous de la carte trouvable sur YouTube. Quoi? Entre le Nil et le fleuve, c'est le feu. Ok. Arcas, il est là juste pour faire 16 heures. De ouf. Mais en fait, s'il live avec moi, je lui paye à bouffer, du coup, oui, c'est un peu ça. Ouf! Ah, faut aller au marché demain. Oh non. Et si je te paye à bouffer, tu vas tout seul? Mais tu peux pas. T'as envie? Tu m'aurais pas payé à bouffer de base. Quoi? Tu m'aurais payé à bouffer de base. Deux fois, t'auras deux bras deux fois. J'aurais deux fois? Ouais. Il faut que j'achète un sandwich pour toi? Ça fait 2 mois qu'on a pas acheté de sandwich chez lui. Bon, on pourrait, ouais, ce serait bien pour lui quand même. Demain, je pense.
Un bouillon. Je vais faire un bouillon. Ouh. Faut encore que j'attende demain pour demander c'est quand le prochain script. Oh mon dieu. Oh non, ça va être de retour. J'ai eu 6 mois genre de... Non pas 6 mois, si ouais, 6 mois de pause. 6 mois putain. C'était bien. Non pas 6 mois. Non non, c'était fin novembre. Non 4, 4 mois. 4 mois la sortie de ce... À la base je voulais que ce soit un mois et demi. Hein. Et oui, bientôt vous pourrez demander. Et je vous dirai, je sais pas. Voilà. On peut te payer en nourriture, c'est pas une question de faire 16 heures, c'est une question de survie. Tu peux me filer ta CB, Vitef, s'il te plaît? Ouais, bien sûr. Les dessous des cartes, une émission Arte Trop Cool, il y a un épisode qui parle du Rhin et du Danube, et un autre qui parle du Nil. La géographie, c'est le feu, en fait. Moi, j'aime bien les documentaires animaliers. Je préfère ça à la géographie. Moi, je voulais regarder... J'aime bien les docu Arte de politique et tout, parce que j'y trouve souvent cool, et bah du coup... Alors, je sais pas comment ils ont fait... pour en voir un en stock, mais ils en ont sorti un en 4 parties sur l'Ukraine. Oh putain. À un moment, la semaine où la guerre a éclaté, donc je me suis dit, mais c'est incroyable qu'ils en avaient un en stock. Et mais je sais pas, je pense qu'il était censé sortir à un moment ou un autre. Et là, c'était évidemment quoi. Pareil, ils en avaient fait sortir un avant sur l'Afghanistan en 4 parties, j'ai regardé 3 et c'était très intéressant. Moi, Arte, j'aime bien Arte globalement. C'était Seiya qui me disait, mais suis Arte sur Twitter. Parce que parfois, ils font de la pub random sur des docubes qui sont cool. Donc, après, moi, je regarde pas trop. Genre, je regarde pas Jour de Play. Jour de Play. C'est quoi? C'est l'émission Arte qui se passe sur Twitch un mercredi sur deux, je crois. Où il y a tous les anciens du YouTube JV. Ah oui. Vraiment, ils sont tous là-bas. Il y a. Enfin, non, ils sont pas tous là-bas. Il y a Olbius. Il y a Olbius, je crois que Monique y est de temps en temps. Il y a Dorian, je crois. Il y a Sophia, notamment, qui est réelle. Et chroniqueuse, il me semble. Il y a GND qui fait pas mal de trucs, là-bas. Il y a plein, il y a tout le microcosme au sein du microcosme qui était le YouTube JV. Ouais, je vois. Il y a ce microcosme-là. Un peu autour d'Osmosis avec Sophia, Olbius, tout ça. Et ils font ça. Et je regarde pas. Waouh! Bah, quand j'ai regardé, je trouvais ça un peu osef. Donc, du coup. Bah oui, tu regardes ce que tu veux. Peut-être que dans le prochain script, comme j'ai fait une parodie de. Fin du game. Ouais. Je pourrais faire une parodie de Jour de Play. Mais il faudrait que je regarde. Parce que si la parodie de fin du game était si précise, c'est parce que j'écoute fin du game. Oui, c'est vrai, je vais parodier un truc que tu écoutes pas. Voilà, il faudrait que je regarde, je me fais une série entière donc, sur. Mais si t'aimes pas, à quoi ça sert? Bah peut-être que j'aimerais, au fur et à mesure, hein. En soi, la parodie, elle est un peu acerbe, tu vois, celle de fin du game. Ah bon? Bah... Je trouve pas méchante, perso. Elle est pas méchante, mais elle est un peu... Je coupe, pour dire que tout le monde sait ça, quand même, hein. Il y avait un projet de canal Rhin-Danube qui datait de Charlemagne, qui a fini par être fait dans les années 80-90. Du coup, aujourd'hui, si tu peux faire Mer du Nord, Mer Noire. Incroyable. Comment ça? Bah, tu peux faire partir de la mer du Nord pour aller à la mer Noire grâce à un canal, je suppose. Yo Narix! Salut Narix! Les fleuves, c'est le feu. Bah, justement. Bah, non, justement, vu que c'est de l'eau! Demain 18h. Eh oui, demain 18h! Je sais pas ce que t'as partagé. Est-ce que c'est la première? Oui! 18h! 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 Incroyable. Il y a 17 personnes en attente. En attente? Il y a 17 personnes qui regardent. Ils sont juste là. Enfin, 16 du coup, sans ils l'ont mis là. Ouvert sur le côté. Ouais, ils l'ont juste mis ouvert. Alors que c'est dangereux. Ou alors c'était les gens là sur live vu qu'on l'a pubé là maintenant. Ah, peut-être. Ah, j'avoue. Bah, j'ai regardé tout à l'heure, il y avait genre 6-7 personnes. Regarde mon truc. Tu fais filtre fou ou gaussien sur l'image principale que tu as dupliquée avant. Tu mets assez fort. Ouais. Et ensuite, du coup, ton premier layer, ton layer du dessus, c'est le flou. Et le layer du dessous, il est pas flou. Du oui. coup, tu défloutes, en effaçant, tu défloutes certaines parties. Mais par exemple, genre, tu vois, genre, le visage, le corps, ah oui et les pieds et la chaise sont encore flous. Du coup, ça fait un effet un peu ça cool. Fait un effet un peu caméra. Où il se dévoile, ouais. Pas mal, un hein. Un peu steamy. Pas mal, en vrai, hein. Oui, c'est joli. Sympathique. C'est un peu Link's Awakening.
quoi. Ah oui, parce que c'est flou, du coup. C'est flou pour cacher les défauts de texture. C'est vraiment ça. C'est ce qu'ils ont fait pour Pokémon Diamant et Perle. C'est ce qu'ils auraient dû faire dans Mario Kart. Oui. Flou. Mais ils ont fait, hein. C'est un peu plus flou, hein. Ah c'est bon moins, mais les ombres sont moins définies. Ah. Oui, tu secrétaires extrêmes. Ça parle de quoi par ici? Bah, on cherchait un sujet parce qu'on allait bientôt finir. Oh, regarde comment je t'ai fait. Oh. Ah oui, c'est genre le seuil. Saturé, ouais, c'est sa incrustation que j'ai mis. Je vais pas te mentir, quand j'ai vu la thumbnail dans mon fond de débauche, j'ai failli cliquer dessus avant de voir si c'était la notif d'une première. Bah, il faut cliquer dessus. Pour mettre un rappel. Comme ça, quand elle commence à 18h demain. C'est pas mal en vrai. Faudrait juste que je crédite le fond parce que c'est pas à moi, mais. Bon. On va faire ça pour ce film. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai passé. Il faut que je fasse ça du coup demain midi. Enfin, avant la première. Mais j'ai passé 2 heures de ma vie à du coup mettre les musiques de la partie 2. Incroyable. Donc maintenant, les musiques sont créditées dans la partie 2. Alors que ça fait 2 mois que je suis censé le faire. Heureusement, il y a les sources. Donc il faut que je fasse ça demain pour la partie 3. Comme ça, ce sera fait. Et puis j'aurai plus à le faire après. Set me free. Et le delta du Danube est l'une des plus grosses réserves de vie sauvage en Europe. C'est incroyable. C'est très joli. Merci. Canide. Merci. Merci. À plus tard. 18h, oui, 18h, c'est la fin du script sur Undertale que vous aviez envie, que vous aviez demandé pendant toutes ces années. Rendez-vous compte. Rendez-vous compte un peu. Le script sur Undertale. Il vous l'a donné. Après 3 ans. Il vous l'a demandé. J'ai bossé dessus pendant 2 ans. 2 ans ? Pas 3 ans, mais il y a eu une part de réflexion, quoi. Bah, c'est 3, c'est du travail quand même. Oui. Et genre. Ça y est, quoi. C'est là. Voilà. Et c'est pas ouf. Mais c'est pas grave. Ce qui m'éclate quand même, c'est que même moi, je ne saurais pas quand ça apparaîtra. Je peux désadore. Ah, d'ores et déjà te dire, Flo, que cet extrait existe dans la partie 3. De quoi? Salut, c'est moi. J'espère que tu vas mettre des OST de Persona 5. Il y en a une dans la partie 1. Ah bon? Ouais. Il y a Life Will Change, qui est bien. J'aime beaucoup Life Will Change. Je vais mettre une signature artistique, ça ferait plus joli, mais... On va repartir sur 5 ans sans script. Alors... Peut-être pas 5, mais un moment. Parce qu'il va falloir le une faire. Une pause. Hein. Ben bah non, bah, il va falloir que j'ai le temps de le faire. Ouais. Quoi, l'autre est. Ah, une pause aussi un peu. Il va mettre du temps. Oui, t'as le droit de te reposer. Parce que littéralement, je l'ai vu crever en train de finir le montage tous les jours. Je suis en train d'hésiter à soit j'attends, genre je me concentre là, peut-être jusqu'à la fin de mon année d'études, à faire des réflexions stupides plutôt. Et puis surtout, je vais avoir, beaucoup de, boulot. Je vais avoir beaucoup de boulot. Beaucoup de boulot pour ma fac. Il va falloir que je m'occupe de ça. Puis ensuite, il faut voir si je commence. En fait, je vais voir, est-ce que déjà pour ce script-là, j'essaie de choper le sensei. Ou pas. Il faut que je voie. Est-ce que j'aurais le droit de dire que j'étais dans le script sur Undertale? Bah, enfin, oui, Flo, tu l'es. Tu l'es. En plus, t'es vraiment l'une des blagues les plus récurrentes, quoi. Au moins un an? Ouais, je pense. Hein. Je pense vraiment au moins un an. Mais il y aura d'autres vidéos qui feront beaucoup moins de vues, qui auront beaucoup moins de succès. C'est pas grave. Bon, après, tes références suffisent des fois, elles sont des putains de... Genre, t'as les gens connus qui sont de oh, trop délire, Naruto. Putain. Je vais revenir, là, on va revenir sur des vidéos essais. Mais ça va ça va vous faire remanquer. Vous êtes en mode, ah, c'est bien, les références mais... Putain, c'est seulement j'ai un petit script, là. Et puis comme ça, quand script reviendra encore... En force. Ce sera encore l'événement absolu, vous serez en mode... Bon, l'événement, tu déconnes quand même. Non, j'avoue, je force, arrête. Humble you. Ça humble va, you. J'essaye d'être mégalo un peu. Mais un t'as peu, l'autre, mais juste soit, une, un instant. Juste un instant. T'as le droit. Regarde, moi, depuis tout à l'heure, j'ai dit que vos dessins sont sublimes. C'est de la merde script, bordel. Moi, vous savez, je vous voulais mon vrai avis, c'est que je trouve qu'il est déjà vieux et cringe, le script. Oui, en vrai, il a très peu d'ego sur cette. Il arrête pas de dire que c'est de la merde, il continue à le faire. Je trouve horrible. Il est officiellement déjà vieux. Vraiment. Je le déteste. Est-ce que je mets des petits cœurs, des trucs comme ça en incrustation, ou bien c'est trop. C'est peut-être mieux le laisser naturel, non? Moi, je préférais naturel, ouais. Ouais. Il y a une ambiance. Il y a un mood.
J'espère qu'à la fin, tu vas dire que ce qui fait la force de Natas, c'est la communauté, et tu conclus en montrant un fanat pas sourcé de tous les personnages. Oh, Coco. Quelqu'un fait ça? Bah, moi, sur Sonic. Ah oui, c'est vrai. Et ouais. Après, bon, je disais un truc, il y avait un petit truc vrai hein, dans ce que je disais. Mais bon, Coco, j'espère que si toi, t'avais fait cette vidéo à 15 ans, tu l'aurais fait beaucoup mieux. Oh, quel connard. J'espère. En plus, c'est le premier à te cracher dessus. En plus, 15 ans, c'est genre ton âge, non, Coco? Oh là là. Il y a vraiment... C'est un combat de catch. Et je crois que, du coup, c'est ton âge, et pourtant, tu fais rien. Tu fais R. Il a dit, tu fais R. Et du coup, maintenant, Script, c'est une analyse de français, on surinterprète tous les thèmes d'un JV. Oui. Est-ce que tout le monde est en train de trash talk pour rien? Je crois, ouais. Il faut juste humble. Humble me. Tu marches pour que je cours. Arcade, bientôt. Quoi, bientôt, t'auras plus 15 ans. Coco va bientôt faire des immenses vidéos. Meilleur que toi. Il va faire des vidéos essay. Alors, quelle merde, j'en ai marre des gens qui font des vidéos essay. Faites autre chose originale, bande de cons. Je rigole. Mais bon, mais oui, mais c'est marrant de surinterpréter les thèmes d'un JV. En plus, ça va, je surinterprète pas tant que ça, Nortel. Je dis pas que Nortel parle des gilets jaunes, je dis que Nortel parle de violence. Et que donc, pour parler de violence, je parle des gilets jaunes. Avec ou sans? Refait. J'ai fait planter le truc. Ah bah super. J'ai refait. Moi je dirais 100. Pourquoi? Je sais pas, je préfère. L'autre ça 100, ça fait un peu plus de contraste. J'ai tu l'impression. Ouais, je sais pas. Justement, non, je trouve qu'il se floute beaucoup plus dans le décor. Je vais parler de Yakuza pendant 10 heures. Non, justement, Cartas, personne ne fait des vidéos essais en France. J'avoue, des vidéos essais en France, en vrai, il y a quoi? Il y a Michael J qui en fait parfois. Ouais. Il y a moi. C'est bien assez bien. Il y a Bolche Geek. Et puis il y a probablement une galaxie de gens qui sont à peu près à mon niveau, genre. Qui en mode de mon niveau de quoi. Ouais voilà. De connaître. Soit personne parle de moi, je ne suis pas connu, bonjour à tous. Oui mais c'est pour ça que tu dis ton niveau. Ouais voilà. Non Script c'est juste un gros cheval de 3 pour la gauche. Oui. Oui, et c'est le but depuis le début. Enfin, je... Ou la Cartas, non justement Cartas. Non, en fait, d'ailleurs vous allez voir comment on surinterprète dans la partie 3, hein, c'est... Vous allez voir hein. Coucou Mini, j'ai pas le son parce que je suis dans le lit mais je te fais des gros zooms. C'est Zai. Oui je c'est sais, vrai. J'ai vu. Bisous. Bisous. Voilà, elle a pas le mi, elle a pas le vœu, elle a pas le. Je repasse rapido, il est trop stylé, tourne aussi le dessin. Bisous. Saltar, je te dis qu'il est bien ton dessin. Regarde lui là. Ton dessin là. Hop là. Oui il est très bien, merci. Qui a dit quoi? Tu peux répéter, je t'ai écouté. Saltar a dit qu'il était bien ton dessin. Ah c'est ton OC, il a dit ouais. Trop bien. Personne ne connaît Arcade, mais tout le monde t'a déjà vu quelque part, je pense que c'est un certain talent Arcade. Arcade c'est un méchant de Marvel. What? C'est le Joker de Marvel. Pourquoi? C'est le Joker de Marvel, c'est genre l'équivalent, c'est quand il voulait copier un peu Batman avec Moon Knight et tout. Ah le méchant, ok oui. Tu crois que tu disais quoi? J'ai cru genre tu disais que j'étais genre un méchant de Marvel. Pour aucune raison. Ah genre, oui non. Quoi? Oui il y, y a un méchant de Marvel, un personnage méchant de Marvel qui s'appelle Arcade. Et qui est un peu nul apparemment. Et qui apparemment est un bootleg Joker. Et je trouve que c'est une douce ironie. J'aime beaucoup le Joker. Voilà, on est bon, on va pas aller plus loin si. Non, on est bien. Je vais faire une version avec un fond normal, genre. Enfin, un fond vide. Genre pour... J'étais la première personne à utiliser l'extrait d'arcade utilisé partout sur internet. Flo, proms sur l'info. J'avoue, Ton, t'es passionné de rivière là, ça fait. Ça fait bien 10 messages que tu nous parles de rivière. Alors qu'on parle pas du tout de rivière. Genre, read the room. T'es un peu le Joker des Blancs, Arcade. Je crois que le Joker de base est pour et les Blancs. Blanc, oui. Le Joker est vraiment pour les Blancs. Wow, le Joker, c'est tellement pour les Blancs. C'est tellement pour les Blancs. Ce gars, il est bien aimé des Blancs. Oui. Notamment celui d'Islager. Oui. Alors que Harley Quinn, elle aimait toutes les femmes. Le coup de Tintin Conceste Arcade est bien fait. Fait bien le taf, je trouve. Oui, parfois je trouve qu'il met des extraits très trop courts. Mais oui, souvent, mais oui, j'aime bien ces extraits.
Enfin, j'aime bien, c'est les miens, quoi, mais il choisit... Il est, en tout cas, il est actif, et genre, rigoureux et tout. Je trouve ça impressionnant. Qui ça? Bah, le Rift of Context Arcade. J'espère qu'il a bien... Je crois qu'il a bien aimé son SO, que je fasse ref à lui dans la partie les 2. Spaghettis. Les spaghettis. Don en train de faire un monologue de personnage de Jojo. C'est vraiment ça, hein. Regarde, le Joker Société, dites donc. Eh oui. J'aime même Persona 5, les gars, donc c'est vous dire à quel point j'aime Joker. Ta gueule. Voilà, on a fini. Waouh. Incroyable. Regardez-moi cette illustration. Moi, j'en suis assez contente. Oui. En plus, le fond correspondait parfaitement. C'était une chaise sur un truc avec des... C'est ce que je cherchais, quoi. Faudrait que j'apprenne à faire des décors. Chaise, mais ouais. C'est que ça ressemble à des tabourets d'atelier. C'est une haute chaise. C'est un tabouret. Comme un tabouret de bar. Oui, je vois. Et après, vu comment partent... Ouais, il vont être très large. Ils vont être très, très larges. Il est vieux et cassé, il est tendu, tu vois, genre... Ouais. Laisse mon dessin tranquille. Kerry, t'as acheté ? Oui, et Manoa aussi, hein, parce que les deux sont très grands fans de Persona 5. En fait, si vous voulez, genre, en fait, j'avais pas le choix. Parce qu'ils ont joué deux fois entièrement à Persona 5 devant moi. Genre dans le salon, la salle commune, pour toutes et tous. Donc, si j'aimais pas, je me serais mis dans un endroit mental où j'aurais détesté ma vie. Donc j'étais obligé d'aimer, si vous voulez. Puis c'est bien Persona 5, ça, c'est suffit, hein. Moi, j'entends les posts Persona 5, là, en mode, c'est trop du Persona 5, en plus, la musique est pas ouf. Alors que c'était très bien, et vous souciez tous quand c'est sorti. Genre, c'est bien Persona 5, ça suffit, maintenant. Ça suffit, les edgy boys. Allez, hein. J'adore le look de ton OC avec son long cou. Merci. C'est inspiré des dames, là, au Japon. Les dames au Japon. Oui, yokai, les Fukuchi Fiona, le truc dans, avec la romance, là, qu'on a eu. J'ai oublié le nom. C'est Fukuchi, ouais. Quelque chose comme ça. Les Fukuchi, ouais. Les meufs. Les meufs qui ont des coups de serpent. Oui. Je voulais faire ça. Une romance très sympa. Mais ça voudrait... Un mec qui fait que des romances bizarres, d'ailleurs. Il en a terminé une il n'y a pas longtemps. Pardon, je suis désolé. C'est pas grave. Non, c'est très grave. Okay. Je propose que je me défenestre. Ok. Mais parle. Mais je croyais que tu voulais dire un truc. Mais tu m'as interrompu, continue. Bah non. Je voulais faire... Moi, tu m'as réinterrompu pour au final que je te dise bah pardon du coup, pour que je te laisse... Parce qu'en fait, je parlais, du coup tu m'as interrompu, du coup j'étais juste un... Parce que j'étais juste en train de... C'était pas voulu, c'était pas un signe pour que tu te taises, c'était juste par réflexe. Pardon. En gros, je disais juste que je voulais faire... j'avais un concept de... Merci pour le don. Merci, Wolfgang, merci. Au bas. Merci pour le don, c'est un petit don, c'est un gros don pour un live normal. Merci beaucoup. Un gros don pour beaucoup de plaisir. Merci beaucoup. Mais du coup, je voulais faire un concept de juste, tu vois, parce que je vais faire un groupe de gales et chaque gale c'est un yokai. Meuf. Ah oui. Genre la cueille de glace, celle qui a une bouche derrière la tête et une de la, des trucs comme ça. Un peu à la de Michan, mais vraiment avec un style galou, ouais, je vois. I see. J'attends le jeu Atlus en mono vert. Bah Persona 6 peut-être en vert. Hein. Des gens pariaient sur le rose aussi, avec du disco. Mais c'était pas sûr. De toute façon, Atlus, ils ont fait SMT, là. Donc je sais pas ce qu'ils vont faire après. Peut-être un nouveau Trauma Center. MDR, ça n'existera jamais. Et oui, donc le mec, il y a un mec, j'ai oublié son nom. Il fait des romances sympas, avec souvent des trucs fantastiques. Et donc il avait fait une romance dans un monde avec des yokai ici et là, avec donc une meuf qui avait un long cou. Et c'était surtout juste pour des gags visuels. Du coup c'était assez chou, et en vrai le dessin est assez mignon. Sur un moment elle est en mode « Ah, il y a son cou qui part en couille !» Et puis il y a une scène très chaude à la fin. Très chaude. Chaude. Mais voilà, donc c'est un peu juste mignon, contemplatif, sympa. Et il en a fait une autre où c'est genre deux personnes qui en gros changent de genre toutes les nuits. Ah, sympa. Et donc du coup c'est leur histoire. Et c'est très cool. C'est trop cool que quelqu'un fasse un truc de fiction basé sur le site de Palmyre avec les 750 milliards de civilisations qui sont passées sur le site. C'est bien Kaguya-sama Love is War. Oui, c'est très, très, très bien. Vraiment très bien. Alors, moi je parle du manga. Je crois que l'anime est très bien aussi. Il est très bien animé. Mais globalement, en fait,
c'est le début est chiant. Au bout de 50 chapitres, il y a un peu la backstory d'un perso qui est cool. Puis ensuite, plus ça avance, plus c'est vraiment une critique de romance qui est très consciente et qui, notamment dans ses arcs où les plus romantiques, je trouve, sont vraiment deep. Donc, très très cool, Kaguya-sama l'Illusoire. Là, en ce moment, c'est un peu drama parce que c'est la fin, c'est le dernier arc. Mais c'est cool. Your Name. Mais si, je brûle de hype, même si je sais pas trop ce qu'ils peuvent en faire. Mais le rose, c'est Catherine. Ah oui, le rose, c'était Catherine. Bah, je sais pas. Le rose ? Ouais. Genre, ils ont chacun une couleur pour leur jeu ? Ouais, mais Catherine, c'est pas un c'est persona. Pas un persona. Le prochain Atlus, c'est Soul Hacker 2. Ah, d'accord. Your Name. Tu veux un avis sur Your Name, Jem Gina ? C'est bien. Salut, coucou. Bah, ouais, moi j'ai trouvé ça cool. Il y a pas mal de gens qui ont dit. Genre, c'était ok. Sur côté, genre, oui, c'est un bon film. C'est bien, moi c'est pas ça. Quand je l'ai regardé, j'étais dedans. Oui. J'étais en mode. Oh, j'adore les romances. Moi, je suis vendu sur les romances en général. Ouais, ouais, voilà. Puis le mec, il fait que des romances, du coup, je suis vendu direct en fait. Et du coup, l'Atlus, ils sont à faire un jeu par an. J'avoue, ils sont efficaces, Atlus, hein. Enfin, je pense que j'ai bientôt fini Control en vrai. Enfin, pas bientôt, mais je crois. Parce que je suis en train de faire des missions secondaires qui sont apparemment assez tard. J'hésite à continuer d'y jouer là un peu. Maintenant, on va me coucher, ouais. Hop. Catherine est canon à l'univers Persona. Oui, ça je savais. Ah bon ? Tous les personnages ? Genre les démons et les succubes, c'est canon à l'univers Persona ? Je sais pas, mais en tout cas, je sais que ça se passe dans l'univers de Persona, je crois. J'imagine, il y a genre l'enfer, les démons, les succubes et aussi genre les trucs du Persona. Tout ça, c'est canon. Peut-être que c'est l'univers, il est rempli, en fait, hein. Les dominants de couleurs, c'est pas juste les Persona, c'est tous les jeux canons à la série Persona, en fait. Ah bon ? D'accord. Yamadan de Seven Witches, c'est bien dans le style changement de genre. Ouais, mais c'est très nul. J'avoue, j'ai lu. Et j'ai lu longtemps, en plus, hein. Mais c'était nul à chier. Genre, vraiment, c'est à un moment, c'est trop, quoi. Littéralement, tout le monde. Je peux pas rester plus longtemps, je dois donc vous laisser à plus les gens. Bah, de toute façon, c'est bientôt fini, non ? Il est 23h. Oui, on va finir là, il a duré 2h. La fin du 4, tu renies Dieu, c'est Kino. Après, c'est très Atlus, ça, non, à la fin, tu te combats toujours contre Dieu. De toute façon, moi, en fait, il faut que je... Personne à ça, peut-être que je vais y jouer, parce que moi, mais comme je l'ai déjà vu deux fois, mais il faut vraiment, je pense, que je joue au 3 et au 4. Pour avoir le discours global, parce que c'est une trilogie, je pense. Je sais pas, parce que des gens, justement, se posaient la question, est-ce qu'ils feraient autre chose. De toute façon, moi, en fait, il faut que je... Mais ta gueule. Putain, vraiment, ferme ta gueule, putain. Ça m'a déstabilisé de m'entendre soudainement. Je suis désolée. Bref, je crois que les thèmes de Persona sont vraiment développés sur le 3, le 4 et le 5. Puisque c'est là où il y a le directeur, on va dire, qui arrive. Et je crois qu'il arrête. Là. Donc bon. Oh, il y a Kuro qui fait du. Tu veux raid quelqu'un ? Parce qu'à l'échelle, moi je vais. Il y a Wendo Kuro aussi, je crois, qui live. Je ne pas les couilles, c'est toi qui raid Wendo. C'est vrai. Moi je raid les plus petits streamers. Je vois que c'est Kuro qui est très sympa, qui est un petit modèle VTuber, enfin PNGTuber renard rouge très mims. Qui était là tantôt, je pense, qui est passé. Non, quelqu'un est passé, il avait ses émotes. Et elle joue à Sky, Children of Light, qui est un jeu du studio qui a fait Journey. Que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce jeu, mais je suis paumée, je sais pas quoi faire quand je joue, mais j'aimerais bien y rejouer. Mais voilà. Je vous fais des grands bisous, merci beaucoup d'être venu sur ce live, bisous. C'était vraiment très chouette. Finalement, je fais là. Des gros bisous à Kuro. Mais oui, du coup, il y avait Arcade. Finalement, j'existe aussi. Je te créditerai dans la rediff. Parce que là, je vais quitter là. Tout ce qui me manquait. Du coup, des gros bisous. Allez, faites des bisous à Kuro de ma part. Merci beaucoup d'être venu. C'est un gros plaisir. Merci aux quelques gens qui ont fait des dons. Bisous. Ça fait toujours des plaisirs des dons. On se voit demain. Ça fait toujours plaisir pour des dons pour les trucs qui. Voilà, on se voit demain. Script demain, 18h. 18h, script. Voilà. Le plus gros événement de ma carrière. Voilà. Une espèce de. Voilà, dingue. Script. Et je sais pas, peut-être que je ferai un live soit le soir même, soit dimanche, peut-être, on verra. Ou lundi, on verra bien. Enfin, parce que je ferai un live bientôt après pour. Ouais, ouais. Débriefer tout ça, enfin, peut-être. On va en discuter. Allez, bye! Bye! Merci à tous. Script, 18h.